La suite de Stardew, jour 18 du printemps, toujours l'année 1 évidemment. On n'a pas beaucoup de PO, mais c'est la journée où on va tout vendre. On est déjà presque à 5 heures de jeu. On n'a rien fait. On n'a vraiment rien fait. Vivre à la ferme. Parle de quoi? De la pluie rafraîchissante, la meilleure amie d'un fermier. Quand il pleut, vous n'avez pas besoin d'arroser vos récoltes. Bien sûr, ça on le savait. La diseuse de bonne aventure. Les esprits sont très heureux. Ah oui, fallait qu'on fasse de la mine aussi. Fallait qu'on fasse de la mine et qu'on vende tout le bordel. Bon, déjà, commençons par arroser. Commençons par arroser tout le dawa, là. Salut à Tsutane. Je sais pas si j'ai planté un truc derrière le... Bon, dans le doute, j'arrose. Oh, c'est une découverte, mais déjà depuis 5 heures, quoi. C'est une découverte, mais ça fait déjà 5 heures que je joue, quoi. C'est là ce qui arrive sur Ramasse-Neige. Je crois que le pané est ready, là. Hein. Le pané, ça va faire 5 jours qu'on l'arrose, je crois. Hein. C'est ça. C'est ça. Nous avons un pané. Du coup, on le met là. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on laisse ici. On va prendre le cuivre, les géodes, tout ça. Bon, on va aller en ville, on va voir ce qui se passe. On va aller en ville, on va voir ce qui se passe. Livraison. Ah, fallait qu'on pêche un poisson de mort. Ah oui, merde. Rappelez-vous, fallait qu'il y avait un putain de poisson qu'on devait pêcher, qui était trop vénère. Il y a encore les baies, là. C'est ouf, ça. Les baies, ça dure 15 ans. C'est insane. Pour les mines, c'est juste insane, là, d'avoir autant de baies disponibles. C'est ouf. Merci Nagrom pour les 15 mois de sub. Des bisous. Cimer. Bon, il faut aller au magasin, mais en même temps, je dois pêcher un poisson pour ma waifu. Sauf que le poisson, je sais plus où il se pêche. Est-ce que je l'avais eu dans la mer, ce poisson-là? Ou est-ce que je l'avais eu ici? Je sais plus. Je sais plus où j'avais eu le poisson. Je crois que c'était dans la mer. Mais bon, aujourd'hui, on doit faire les mines. On a combien de temps encore pour livrer? Une journée? Ah oui, c'est aujourd'hui ou rien, quoi. Ouais, mais est-ce que ça va vraiment me rapporter quelque chose de faire ça? À part les PO. À part les PO, est-ce que ça va vraiment me rapporter quelque chose? Vas-y, toi, on va tout te vendre. Alors, les choux-fleurs x32, ça fait 5600 thunes. C'est parti. 1000 thunes. Incroyable. Donc là, on a de la thune. Après, on va rien racheter pour l'instant. On va attendre la prochaine saison. On va clairement attendre la prochaine saison pour acheter. Là, on va juste aller s'augmenter au niveau de la pêche. On va s'acheter l'iridium rod et tout. Histoire d'être tranquille. Peut-être qu'avec l'iridium rod, je peux pêcher rapidement. Hein, c'est possible aussi. Hein. Rayman Legends est gratuit dès aujourd'hui sur Epic Game Store, en effet. Ça, on l'a, ça? Je sais plus. La coque. La moule. La moulasse, ça, je l'avais, c'est sûr et certain. Le poisson. Alors, vas-y. Est-ce que tu as la canne à pêche en fibre de verre? Ah oui, mais celle en iridium, elle coûte trop cher. Celle en iridium, elle coûte 7500. Après, techniquement, j'ai pas vraiment besoin de sel en iridium pour l'instant. Quoique si, en fait. Si je veux pouvoir acheter le piège flotteur. Ajoute du poids à votre jauge. Ça, j'en aurais besoin. Putain. La canne à pêche en iridium, elle vaut des millions, quoi. Je crois que c'est mort. Je crois que je peux pas équiper... Ouais, voilà. Je peux pas équiper ça à ça. Là, j'ai une canne à pêche qui peut juste avoir des appâts, en fait. Mais c'est de la bite. Ah, par contre, il y a ça. L'Hervesmoon, t'as déjà essayé ouais, mais pas trop. Pas trop. L'objectif de ma partie, c'est juste de m'amuser, quoi. Je suis pas dedans, là, je crois. Faut que j'arrive à choper le poisson de mort. Je crois qu'il était... Il me semble qu'il était ici, hein. Mais d'ailleurs, c'est peut-être celui-là, on va dire. Oh, j'ai failli faire un perfect. Alors dis-moi que c'est celui-ci.
Putain, c'était juste une anchois nulle. Que squelettique, artefact. Oh, un artefact, j'ai eu. J'ai eu legit un truc stylé direct, quoi. Faudrait que j'aille à la mine, en fait. C'est con, mais il faudrait aller à la mine. Après, la quête est trop intéressante, en fait. Je peux pas me permettre de pas la faire, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Wizgael, le fou. Oui, c'est bien dans la mer, parce qu'il y a le flétan aussi. Merci beaucoup, Wizgael, pour les 5 subs offerts. Combien? 5. 5 subs offerts, merci beaucoup, Wizgael. Putain, j'ai eu un artefact dans l'eau, quoi. Pour le musée, ça. Ça va être insane. Merci beaucoup, Wizgael. Des géodes, vas-y, balance des géodes. GG, du coup, à Kenoyop, Yannick, Karnak, c'est 4 mois, Camaroleur, Abtou et Astro Pingouin. Des bisous. Putain, faut que je pêche le poisson de cul, là. Que j'aille le filer à la waifu. Vas-y, je pêche que des anchois, là. Je pêche que des anchois. Je pêche que des putains d'anchois de mort. Après, c'est bien, les anchois, mais bon. Ah, puis là, ça pêche pas vite. J'ai qu'un appât, en plus. J'aurais dû prendre les appâts avec moi, j'ai été mauvais. Si j'avais pris les appâts avec moi, là, on serait en train de pêcher comme jamais. Avec les appâts, ça va beaucoup trop vite. Je me demande si je l'ai pas pêché un jour de pluie, aussi. Je crois pas, hein. De toute façon, c'est un poisson qui se débat, donc c'est genre pas ça. Le hareng, c'est pas un hareng. Ce qu'on veut, c'est le flet. Pas le flétan, mais le flet. Ouais, ça, c'en est pas un non plus. Ça, ça doit être genre une anchois, une sardine, une merde. Ça, c'est 100% une merde. La belle sardine. Après, la sardine, je l'avais jamais eue, donc c'est cool. C'est le cadeau des fêtes avant l'heure. Putain, j'avoue, c'est bientôt les fêtes, hein. Faut racheter les cadeaux et tout, hein. Ce temps perdu à pêcher un poisson pour la meuf sûre, quoi. Allez. Allez. Allez, on y croit. Putain, j'ai que des poissons nuls. Ça, c'est sardine, ça. Sardine ou hareng, mais... Là, c'est inutile tiers, ça. Pas ça qu'on veut. Ça se trouve, c'est un certain horaire, en fait, et il va trigger, genre, à partir de 16h, un truc comme ça. Le backseat à 30k pesetas, il sert à backseat ce que tu veux. Interdit de spoil, mais droit backseat. Non, mais ça, c'est encore une sardine ou une couille, hein. Ah, quoi qu'il se débat un peu. Non, mais ça va être un flétan, non. Non, mais entre le hareng, la sardine, l'anchois, le flétan... Et il y en a encore un autre. C'est trop dur de pêcher ce que je veux, là. Il est rare, en plus, j'ai l'impression. La rêve du gars qui gueule combien, c'est la cité de la peur. La cité de la peur. Allez, vas-y. Non, mais ça, c'est encore une merde. Ça, c'est hareng, ça. Hareng pomme à l'huile, ça. Bon, après, je suis en train de full XP, hein, mais... Un sardine pomme à l'huile, ok. Je suis en train de full XP. Demain, je vais me retrouver niveau 7 ou 8 pêcheur. Ça va être n'importe quoi. C'est chez Kikariou. Je veux un flet. Putain. Allez, Stardew Valley, c'est fait pour ceux qui sont au travail. Stardew Valley, c'est le jeu, hein, le jeu des VOD au boulot. Allez, vas-y, là. Putain, mais je pêche que des algues. C'est scandale, en vrai. Je sais pas si ça sert à quelque chose de lancer la ligne plus loin, on va dire. Je pense pas que ça ait une quelconque utilité. Je pense que je peux la lancer à mes pieds, j'aurai le même genre de poisson, on va dire. Bon, j'ai l'impression que ça mord moins, mais... Je crois que c'est dans la tête, hein. Vas-y, il est 14h40, j'ai toujours pas pêché ce que je veux pêcher, je suis vénère, là. Ça se trouve, c'est pas ici. Ça se trouve, c'était au lac. Hein. Ah, quoi que celui-là ait l'air... Non, c'est de la merde. C'est pas un poisson qui bouge, ça. Oh! C'est bon. We got this. On gâte le poisson. Petite baie. On a le poisson. On peut aller livrer le poisson à notre waifu. Je sais pas si ça va augmenter notre relation.
Ou est-ce qu'elle va juste me donner les 300 PO? En tout cas, si elle me donne les 300 PO, ça rembourse un peu à toutes les salades que je lui achète, quoi. Pas se mentir, on l'a un peu régalé en salade, quoi. On aura peut-être le temps de passer aux mines, quand même, mais je suis un peu en train de me déplacer n'importe comment, là. Ça fait plaisir. Je vérifie qu'elle est pas déjà au bar. Non. Elle est au bar le soir, mais pas la journée. La journée, elle peint. Salut à ceux qui arrivent. Faut que je ramasse les baies. J'en aurais largement besoin. Boum. Ah, si elle pouvait être à la maison, ce serait parfait. Hein. Tac. Je devrais pas faire ça. Mais t'es jamais chez toi, en fait. Le problème, c'est qu'elle est jamais chez elle et que je la trouve jamais quand je me balade dans les zones comme ça. À chaque fois, elle revient de par ici, le soir, mais je la trouve pas, en fait. De mémoire, plus tu tires loin, plus les poissons ont une chance d'être de meilleure qualité. Ah, le beau backseat. Bah, je me demandais si ça avait... Mais... Si ça avait une influence, mais j'avais pas l'impression, en fait. Allez là! Ok. Tiens. Oh, t'as vu, j'ai publié une note, c'est parfait! Voyons voir, voici ce que je te dois. Non, c'est bon. On m'a rien donné, non? Non, c'est bon. En fait, il y a beaucoup de nourriture à l'état sauvage dans le coin, si tu sais où chercher. Ah, je peux encore lui parler. Je mange de la salade fraîche presque tous les jours. Mais elle me dit tout le temps la même chose, en vrai. Hein. Ah, j'ai 3 cœurs, par contre. Oh là 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 là, les 3 cœurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais rush à la mine, je pense. Non. Ah, il est 17h, je peux déjà plus aller chez le forgeron. Putain, j'ai perdu tellement de temps. Bon, c'est pas grave. On va la jouer ramassage de baies. On va la jouer ramassage de baies et puis pêche. Tant pis. Tant pis. Oh, mais il y a tellement de baies. Oh, ça aurait été dommage de les louper, à vrai dire. Après, je crois que c'est juste que ça pousse pendant quelques jours. Mais en fait, celle que tu ramasses pas, elle reste pendant Spring, en fait. Tu peux limite toutes les ramasser, je pense, un jour à la fin de Spring. Et t'es bien, quoi. Faut combien de cœurs pour pécho, je crois. No spoil. À moins que vous ayez 30k points. Putain, j'ai plus la place, quoi. Mon dieu, toutes ces berries. J'ai tellement de berries. Hop. La baie saumon. Faudrait que je jette des trucs, genre les algues. Je jette des merdes pour ramasser des trucs comme ça. Ça fait XP, c'est cool. Toutes les berries d'une vie. Hop. La distance n'a aucune importance, la seule chose qui compte, c'est la canne, les appâts, les addons et le lieu. Ouais, après la distance compte pour un truc, c'est que quand il y a un point d'eau qui permet de pêcher vite, là, les points d'eau avec les bulles, bah si t'as une bonne distance de canne à pêche, ça te permet de viser un peu tout, quoi. C'est cool, quoi. Je sais pas si ça XP de faire ça. On n'a pas des trucs à jeter. Un appât, je peux jeter en vrai. Merde, c'est un oignon ultra quali, lui. Vas-y, on va manger ça. On est là pour faire de la récolte. On récolte, on forage. Tu peux facilement... On peut, avec toutes les baies, là, je peux faire du curry. Hein. Curry d'ex. Vive le curry d'ex. Tous ces oignons nouveaux. Toutes ces berries. Bon, j'aurais pas vraiment profité de la luck sur cette journée. C'est pas très grave, en vrai. C'est pas très très grave. Oh, bah bonne nuit. Mais si je vais chez elle, pendant qu'elle rentre chez elle, elle va me dire quelque chose ou pas? Est-ce que je peux aller lui faire un petit coup de Careless Whisper dans la maison? Attendez, j'attends qu'elle rentre, on voit ce qui se passe. Tu fais des points pendant les VOD, ouais. La porte est verrouillée. Ah. Ok, c'est juste que quand elle part, on peut explorer sa maison.
Le highlighté sans que ça devienne dégueulasse, mais il est déjà highlighté le backseat en fait. C'est la feature marche comme ça. Soixante-onze, pardon. On est si bien. J'ai de quoi m'acheter le poulailler en fait. Faut absolument que je m'achète le poulailler. Ça fait partie de mes quêtes demandées, le poulailler. Demain, on achète le poulailler. Je sais pas s'il faut que je tienne les trucs sur moi. Je pense que sûrement. Bon, les poissons, on va tout jeter. Hein. On remplira les... On remplira, comment dire, les bundles de poissons quand on aura fait un tour de... Un cycle, quoi. À Spring 2, on capturera tous les poissons qui nous manquent. Alors, l'oignon nouveau en or. On peut le vendre pour voir combien ça coûte, tiens. La moule en or. Vendons une moule en or également. Tout ça, il faut que je le garde sur moi. Piège flotteur, pareil. Carotte des cavernes. Alors, attends. Ça, on va mettre là. Poireau. Tac. On a quand même 42 oignons nouveaux. Ça, c'est cool. Carotte des cavernes, ça, on peut garder pour manger. On n'est pas trop mal. Il y avait un truc que je voulais faire. Je sais plus ce que c'était. Pète le chat. D'ailleurs, on peut le voir, ça, mon chat, quelque part. On peut pas voir le relationnel avec... Ah, si, là. Roscoe. Ah, je peux pas voir si je suis en bonne relation. On peut pas voir si je suis en bon terme avec Roscoe. Ça a l'air. Ça a l'air plutôt d'être en bon terme. Alors, le niveau 40 dans les mines et le poulailler. Donc, pour le poulailler, il me faudrait les... Faudrait les pierres. Et dans le doute, je prends les pierres et le bois. Puis on verra. Hein. Je prends les pierres et le bois et on regarde. Hein. Je peux pas. Ah oui, voilà. Ça, c'est insane. 60 appâts qu'on met sur la canne à pêche directement. D'ailleurs, j'en ai 40 ici. Hop, 100 appâts sur la canne à pêche. C'est parfait. Faudrait que je vois ce que je peux crafter aussi. Un seigneur, je sais pas trop à quoi ça sert. Chemin en bois, Osef. La pancarte, Osef. L'escalier, Osef. La machine de recyclage. Ça, c'est pas trop mal, mais il me faut un lagot de fer. La machine de recyclage, il m'en faudrait sûrement une. Le fer, j'ai du minerai de fer, normalement. Hop, on va faire ça. Donc la machine de recyclage, je peux la faire. La fournaise, ça j'en ai déjà. La ruche. Il faudrait du sirop d'érable, j'en ai pas. Le casier à crabe. Il faut absolument que je fasse au moins un casier à crabe. Très important. La bague solide, ça pourrait être sympa aussi. Mais on lootera peut-être mieux dans la mine, à vrai dire. La machine à mayonnaise, c'est non. La machine à mayonnaise, c'est juste non. Machine de recyclage, c'est oui. Et il faudrait, j'ai dit... Ah, les arroseurs aussi. Les arroseurs automatiques, c'est insane, ça. Si on pouvait avoir l'arroseur automatique. Entrez pas par effraction chez votre crush pour lui susurrer des mots doux à l'oreille. Non, mais bon, ouais. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Putain, ça met 15 ans à faire, le... Mais 15 ans à faire, les putains de briques, là. Je crois que c'est du fer, du coup, c'est mieux que le cuivre, du coup, ça met plus de temps. Quel chienlit. Allez, là. Faudrait multitask, en fait. Bon, là, ça va qu'il est targ. Dans tous les cas, je comptais rien faire de plus, mais... Quel chienlit. C'est bon, peut-être, non? T'as à faire les mettre avant d'aller se coucher, je pense. Je pense que ça va être le meilleur bail. De les mettre avant de dodo. Allez. Non mais ça fait combien d'heures que c'est en train de cuire là? Bon, je pense que c'est chaud. Ça a l'air d'être compliqué. Bah oui, il se fait tard, mais j'aurais bien voulu les récupérer et en mettre deux autres. Avant d'aller dormir, ça aurait été parfait. Salut Ted. Non, je pense que c'est mort, hein. Je pense que ça prend 15 ans. Hein. Autant le cuivre, ça se faisait assez rapidement. Ah, c'est bon. Ok, bon, j'en remets deux avant d'aller me coucher. Hop, alors, tac, tac.
Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire une mèche. Alors, en fait, je pourrais faire deux arroseurs automatiques, ce qui serait pas mal. Après, c'est que 4 carreaux adjacents chaque matin. Peut-être plutôt faire des machines, une machine de recyclage déjà. Et le reste, je sais plus, on avait dit qu'il fallait quelque chose. Il faut 3 lingots de fer pour faire le casier à crabe. Du coup, ouais. Ouais. Machine de recyclage, on va la mettre là, tranquille. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah oui, c'est pas pour mettre les journaux et tout, là, si je crois. Bon, là, on va se coucher. Bah, allons nous coucher. Le TAS de ce jeu. Bah, déjà, le speedrun est marrant. Hein. Toutes ces thunes de poissons que je me fais. Par contre, j'ai pas level up alors que j'ai fait N poissons. Toutou dort à mes pieds. IRL. Alors, vas-y, fais-moi rêver. Les esprits sont de bonne humeur. Bon, chance normale, quoi. J'ai eu un succès, j'ai pas vu ce que c'était. Alors, on va se faire un petit panier à crabes. Petit casier à crabe, là. Hop. Et surtout, on va le mettre ici. Pour l'instant. Pour l'instant, on va le mettre là. Mais après, il faudra le changer de zone. C'est pour récupérer les escargots et tout. Il en faudrait beaucoup plus, hein, mais bon, pour l'instant, on a pas beaucoup de casiers, donc j'ai envie de dire let's go, quoi. On a du courrier. Vous connaissez bien le jeu de ce que je vois. Bah, je connais quelques trucs, mais je suis quand même pas mal en découverte. Je connais quelques trucs parce que j'ai fait un Twitch Rivals dessus, donc j'ai été obligé d'apprendre pas mal des strats pour le jeu, mais... Ça plante de la patate. Ouais, j'ai planté une patate pour le bundle. En fait, mon objectif, c'est juste de faire un peu tout ce qu'il y a à faire. Mais genre, déjà, les bundles, c'est sympa, quoi. Les bundles, c'est sympa. Les poissons légendaires, les missions du grand-père, ce genre de trucs, quoi. Chiyu, j'ai une requête pour toi. J'ai besoin de chou-fleur frais pour une recette que je veux faire. Peux-tu m'en apporter un? Vas-y. Ça va me donner quoi, ça? Apporter un chou-fleur? Ça va que j'en ai 50 000 des choux-fleurs. Hein. Ah non, mais je veux pas lui filer un choux-fleur en or quand même. Putain, je vais devoir lui filer un choux-fleur en or, je suis vénère. Y'a Roscoe, on va aller pet Roscoe. On va aller en ville faire tout ce qu'on a à faire également. J'ai plus de minerai de fer, si. Alors, tu vas simplement te démerder. C'est parti. Oh putain, je suis en sueur là. Tu piétines tes salades. Roscoe est un chat. Ouais, c'est pour Trigger. C'est pour Trigger, ça marche bien. Tu sais, Nathalie. Ça marche plutôt pas mal. Ah, il y a une quête ici aussi. C'est qui, Jody? Attends. Jody. Jody, c'est pas la waifu, ça c'est sûr et certain. Jody. Ah, c'est la mère de famille, là. Le sorcier, monsieur Rasmodus, souhaite étudier les propriétés arcaniques de Anchois. Ouais, bah pour 90 gold, il va se la mettre au cul. Désolé, mais là... Vas-y, Jody, là. Non, ça, c'est chez les vieux, ça. Ouais, ça, c'est les vieux, ça. T'es où, Jody? Que je t'apporte un chou-fleur. Ah, Jody, elle serait bien là. Non, elle est pas tout à... Non, mais ça, c'est le maire, là, avec sa bagnole. Alors, faut vraiment que je devienne meilleur sur le... Tu es trop pécho, Jody, t'étais deg. Ah, parce qu'elle est mariée. C'est une femme mariée. Ah non, là c'est machin, machine et machine. C'est là. Je crois que Jody, c'est là. Jody? Bah, tu pleures? Ça a l'air délicieux, merci, c'est exactement ce qu'il me fallait, ce sera parfait avec du curry. 350 PO quand même. La nourriture au marché Joja est peut-être pas la plus saine pour ma famille, mais avec des prix aussi bas, ce serait de la folie de faire des courses ailleurs. C'est vrai. Merci la thune pour les 4 mois, mais bon, vous êtes censés être des gens qui vivent à la campagne. Alors, on va aller voir le forgeron. On va aller voir le forgeron pour potentiellement améliorer quelques trucs chez lui. Potentiellement aller voir aussi le musée. Il y a sûrement des trucs à donner au musée. Je crois que j'ai oublié un artefact d'ailleurs dans un
dans un coffre. On a un artefact à donner, je crois. Faudrait qu'on aille faire un peu de mine aujourd'hui. Ah, faut qu'on aille acheter le poulailler aussi. Mais... Bah... Oh merde, j'ai loupé le forgeron, je suis... Je suis vraiment le con, quoi. Pourquoi il n'y a pas 50% pour mettre un point pour la team chien, vu que c'est le Black Friday? Ah non, mais moi, le Black Friday... n'existe pas, hein. Transformer les géodes, déjà, vas-y. Oh! Un slime pétrifié. De la pierre. Hey, tonton, les cabanes sont trop lourds. Un autre artefact. Un œuf de tonnerre. Du charbax. De la terre. Du charbax. C'est cool. Ah bah attends, attends. Améliorer les outils. On peut améliorer la hache pour faire la hache de cuivre. Alors attention parce que j'ai peut-être pas assez de thunes. Utiliser pour couper du bois, utiliser pour casser des pierres. Alors ça, ce serait pas mal pour progresser dans la mine, d'avoir la pioche améliorée. Mais je crois que le mieux, c'est de faire la hache améliorée quand même au départ. Merci, je commence dès que possible. Ça devrait être prêt dans quelques jours. Ah ouais, mais il est chiant. C'est vrai qu'il faut revenir la chercher. Les points pour la team chien. Bien vu. Faire un don au musée. Vas-y, tiens. Nouvelle récompense. Neuf graines de melon à planter en été. Yes! C'est pas mal, ça. Ah, mais du coup, j'ai plus ma hache. Ah là là, quand tu fais ça, t'as plus ta hache. Quelle arnaque. Quelle arnaque, du coup, j'ai plus ma hache. Ah non, je suis vénère. Tu découvres vraiment? T'as pas les bases et les souvenirs de Twitch Rivals? Bah si, mais du coup, je découvre quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Au Twitch Rivals, il y a plein de trucs que je savais pas, hein. Genre, moi, j'étais là pour pêcher, hein. Bon, c'est parti. On est quoi? On est vendredi 19, donc c'est bon. Il n'y a pas... les cadeaux sont reset le dimanche, donc pas spécialement besoin d'aller donner un cadeau. Touk, touk. Touk, 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 touk. 9 graines de melon, c'est insane, en vrai. Ça coûte cher, les graines de melon. Je viens demander le poulaillax. Ça compte combien d'améliorer la maison? Je peux augmenter la taille de ta maison et ajouter une cuisine. Ça te coûtera 10 000 PO. Tu devras aussi me donner 450 morceaux de bois. Bah super! Allez, c'est parti pour un poulaillax. Ah ouais, mais faut... Oh non. Bah ouais, mais j'ai pas défriché. Mais je peux le faire là quand même. C'est marrant. Hop, ça défriche à ma place. D'accord, je commencerai à travailler dès demain matin sur poulailler. Let's go. Et du coup, faut attendre qu'il soit construit. Ok, bon, bah on va aller à la mine. On va essayer d'aller chercher le level 40 pour voir ce que ça débloque comme quête. Et après, quand ça aura pas débloqué spécialement des quêtes, bah, je sais pas, on pêchera, on fera des trucs. On doit descendre dans la mine, de toute façon. Vous avez rush et pas fait de l'or. Ah oui, non, absolument pas. J'ai bien fait de pas faire la pioche de cuivre. Parce que du coup, j'aurais pas eu de pioche. J'aurais été vénère, en fait. Il a de bonnes bases. Ouais, ça va, j'ai des bonnes bases, mais ça va vite être limité, quand même. Merci, Iceman. Merci beaucoup, Iceman. Il y a un quartz. Faut que j'aille chercher le quartz. Ça va vite se voir quand on va arriver en endgame. Que je m'y connais pas des masques. Merci beaucoup, Iceman, pour les 21 mois de Twitch Prime. Simmer. Allô, l'échelle? Oh, l'étage le plus long du monde. Ça se trouve, l'échelle est gratuite. Ah non, c'est bon, elle est là. On n'est pas sur un extra Lucky Day. Attention aux creepers. Non, tout met pas ça, quoi. Tout met pas Minecraft, quoi. En vrai, ce jeu, pour moi, c'est tout ce que n'est pas Minecraft, en fait.
Oh, il y a tellement de cuivre. En vrai, je vais aller farm un peu de cuivre. Petit con! Qu'est-ce qui me met des dégâts? Ils sont deux. Il a tellement de vie. Il est 14h30, ça va, donc on a v'là le temps. Ça n'a rien à voir. Oui, mais on se comprend. Je farme un peu de cuivre. En vrai, on en aura vraiment besoin. Attends, mange. Carotte des cavernes. Donc toi, il y a étoile dans le coin. C'était légendaire, ça. Miam, miam, miam. Mais mon perso a déjà tellement d'énergie, on est à 270. Qu'en vrai, genre, manger des baies, là, ça... On a l'impression que ça fait rien, quoi. Encore un quartz. Un cristal de terre, également. Faut que j'arrête de mettre des coups dans le vide. Ce serait pas mal. heures sur Terraria et Stardew Valley m'intéresse pas du tout. Bah Terraria, pareil. Terraria, moi, ça m'avait pas du tout intéressé, tu vois. Pour le coup. Là où Starbound, par contre, j'avais accroché, tu vois. Mais Terraria, ça m'a toujours saoulé à max. Mais vous êtes 1000! Une aile de chauve-sourax. La chauve-souris. Hop. Oui. J'aurais pu... Oh! Le lance-patate! Vous avez reçu lance-pierre. C'est bien, lance-pierre requiert des pierres comme munitions. Ça a l'air zéro. Ça a l'air zéro. Du coup, on a atteint le niveau 40, tout au fond. Atteignez le fond de la mine. Ils m'ont merdé. Bah, je regarde ce qu'il y a à gagner ici quand même. Ah bah là les mobs commencent à être chiants en fait. C'est problématique ça. Terraria, Starbound, sous le rapproche. Ouais mais sur Terraria je m'emmerde et sur Starbound il y avait la dynamique des quêtes et des vaisseaux, le fait de parcourir les planètes même si c'était sensiblement les mêmes, je sais pas, je kiffais ma vie. Petite musique. Ah mais là la pioche elle commence à puer la merde. Une géode gelée. Ça compte comme un slime, ça. Oh, les échelles gratuites. Casse-toi. Mais il a tellement de vie. J'ai tellement pas d'armes pratiques, moi. Bon, faut au moins que j'atteigne le 45, quoi. Putain, j'ai rien gagné à atteindre le 40. Je suis trop énervé. Bah, Starbound, moi, je le vois comme une amélioration de Terraria. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, parce que, justement, ils préfèrent Terraria. Je sais pas. Je sais pas trop quoi te dire. Oh, du fer. Oh oui. So it begins. Merde. Jade. J'ai eu jade. J'ai fait 20 là. Oh, une épée. Merde, qu'est-ce que je vais jeter? La viande. La lame de fer. Moins 2 en vitesse, plus 1 en défense, plus 3 en poids, mais 12 à 25 de dégâts. Ça a l'air insane. Bon, quand tu la portes, par contre, tu fais chier, quoi. 19h20. Bon, en vrai, j'atteins le 45 et je me tire. Y'a pas des pierres qui se pètent encore en un coup? Ah non, ça, par contre, c'est chiant.
Salut Etimo. Allez, j'ai encore un étage à faire après. Hein. J'espère que ça va servir à quelque chose, les ailes de chauve-souris. Petit quartz. Petit quartz. Oh là là. Faut tellement taper de fois. Oh oui! La chatte sur le mob. Qu'est-ce que je vais jeter? Il faut que je jette un truc. L'argile. Pour pouvoir ramasser la larme gelée. Ok, ascenseur. Ascenseur, c'est parfait. On va se casser à partir de là. Juste vérifier qu'il n'y ait pas plein de caisses. Là, ça aurait pu être cool au niveau loot. Ouais, je me tire. 45, c'est pas mal. Stardew dev par une seule et unique personne. C'est à sa sortie. À sa sortie, ouais. Maintenant, il y a plus de gens sur Stardew. Non, mais c'est ouf, en vrai. J'ai une bombasse. Trop bien, la bombe. Trop, trop cool. La petite bombe. J'ai 555 minerais de cuivre. Et je sais pas si je peux en foutre quelque chose. Pour faire des fournaises, s'il faut du minerai de cuivre. Je vais refaire une fournaise, je pense, en vrai. Pour pouvoir craft plus vite, c'est cool. Je pourrais même en refaire deux, à vrai dire. Si je refais deux fournaises, vu que j'ai déjà pas mal de cuivre... On pourrait faire les fers par 4 à chaque fois. Toujours des nouvelles de Deltarune. Oh, c'est pas pour tout de suite, Deltarune. Alors, attendez. Parce que là, on a du bordel. On va remettre ça là, on va remettre ça là. On va remettre ça ici. Le charbon. Le minerai de fer, on garde sur nous. Le minerai de cuivre, on garde sur nous. Mais on prend le reste qu'il y avait ici. Les quartz, on les met là. J'ai plus besoin de ma petite épée en acier. Cristal de terre, c'était déjà ici. Les géodes, tout ça, on garde sur nous. Jade, sûrement à donner. Les graines de melon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. On n'est pas en été. La larme gelée, c'est sûrement à donner aussi au musée. Les ailes de chauve-souris butin de monstres, matériaux étonnamment délicats. On va ranger ça là. La bombe, on peut pas la garder sur nous. Le lance-pierre, pour l'instant, je m'en fous. Tout le reste, on peut garder. Ok. Alors... Merde, il faut quoi pour la fournaise? Il faut de la pierre, justement. Rends-moi ma pierre. Bon, c'est un peu présomptueux d'en faire 4. Après, 4 fournaises, au moins, ça va tourner, quoi. Ah, il me faut le charbon. Where is the charbonnade? Attends, je vais juste reprendre les trucs qui servent... qui n'ont pas trop de contexte ici, là. Et les mettre au-dessus. Je reprends mon charbon. Ok. Donc là-dedans, je vais mettre mes outils que j'utilise pas trop. Ça, pour l'instant, j'en ai pas... Non, ça, je le garde parce que je vais en avoir besoin à un moment. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ok. Alors... Non! J'ai plus de minerai de cuivre. Chier. Ok, on a arrosé, on n'est pas trop mal. Tu reprends tes attitudes de forager, fais gaffe. Non mais ça va, c'est propre là. Non, mais si vous voulez, on déblaye un peu. Attends. Vas-y. Si tu veux, je déblaye un peu, on va me coucher là. Tu vois. Hop. Ça va, c'est à côté du poulailler. En vrai, comparé à Forager, pour l'instant, c'est propre. Regarde, une fois que tu déblayes, ça paraît beaucoup plus propre. Directement.
Garde une fois déblayé, là il y aura le poulailler. Là vas-y, hop, tac, tac, tac. C'est déjà beaucoup plus propre. Faut rater les bêtises. C'est un peu random le placement, mais... Est-ce vraiment un problème? Ok. Donc tout ça, faut qu'on en fasse quelque chose. J'ai tellement plus de charbon. J'ai tellement plus de charbon. Je suis tellement vénère. Oui, oui, on va se coucher, on va se coucher. C'est la mauvaise idée de couper l'herbe, ça nourrit les poules quand elles sortent. Non mais les poules, on va les nourrir avec du vrai truc. J'ai déjà dit bonjour à Roscoe aujourd'hui. J'ai rien oublié? Non, c'est bon. Je peux expliquer brièvement ce que tu fais ce soir, je connais pas du tout le bus, le Desertbus. C'est un marathon caritatif. Alors, les esprits sont d'une humeur normale. C'est un marathon caritatif. Où en gros, plein de... comment dire... plein de gens du milieu de jeux vidéo ou d'autres milieux, en fait, milieu média, quoi, en gros, viennent se relayer sur un jeu de mort qui consiste à simplement conduire un bus. Il n'y a rien d'autre à foutre dans le jeu que d'appuyer sur A et maintenir la direction. Du coup, c'est rigolo parce que c'est censé être pénible, quoi. Et tout le monde se relaye pendant le week-end. Il y a des intervenants, il y a des animateurs, etc. sur ce jeu. Et évidemment, le but, c'est récolter des dons. La patate! Non! On a reçu une lettre. La poste. Bonjour Sius, ça fait longtemps que je suis sans nouvelles de toi. Les choses n'ont pas changé à la maison. Tu me manques beaucoup. Je t'aime, maman. PS, j'ai trouvé une enveloppe avec de l'argent que grand-père t'a laissé. Ah ah ah. Merci, grand-père. Merci pour les boules. Parfait. Je vais aller pêtre Roscoe. Merci pour la team chat. Bon, j'ai pas ma hache, donc ça sent le retour dans la mine. C'est une journée neutre ou c'est une journée... je sais plus. Je sais plus sur quel type de journée on est là. Un papy vient de Cari là. C'est bientôt la fête des fleurs, je crois. Neutre, hein. C'est l'anniversaire de Shane. Danse des fleurs. Oh là là, tous ces points pour la team chat, c'est magnifique. Bluebab, mais t'as combien de PC TAS? Comment c'est possible? T'as cassé le compteur? Bluebab, il a toutes les PC TAS du monde. Quel génie. Bah, re un point, hein. Je vais pas avoir assez pour ouvrir toutes mes géodes. Je travaille toujours sur l'âge de cuivre, ce sera pas prêt aujourd'hui. Ah mais pendant qu'il travaille, on peut... Oh là là, oh, c'est pas ouf, ça. Pendant qu'il travaille, on peut pas ouvrir des... Je suis vénère, en vrai, là. Nouvelle récompense. Une géode sur socle peut se mettre à l'intérieur de votre maison. C'est moche. Tu as quoi d'autre du coup en général? Mon jeu principal c'est The Binding of Isaac. Je joue à beaucoup de jeux indé. Beaucoup de roguelike. En vrai, s'il reste un jour de pluie, on pourra sûrement tenter d'aller choper le légendaire. C'est marrant. On pourrait réparer le pont bientôt, là. Donc là, on est samedi. Soit on va dans la mine pour récolter la blinde de minerai, soit on pêche comme des tocards. Faudrait que je commence à regarder pour les bundles aussi.
C'est quoi ça? C'est le flet, ça. 100% c'est lui. Hein. C'est le flétan. Le flétan avec 5 charbons. En vrai, c'est tellement craqué de pouvoir pêcher du charbon. Ah, il y a une... Il y a une bulle à gauche, il faut que j'aille la pêcher. Tout à gauche, ici, on a une bulle. Le harang. C'est Xubi. On va aller là. Hop. Je sais pas si je suis dessus. Ouais, je suis dessus. Hop, 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 hop. C'est le flétang. C'est le flétang. Genre, il était même pas en or, celui-là, alors que je l'ai pêché parfaitement, quoi. Je suis vénère. Oh. C'est beau. C'est beau ce qui est proposé là. Le petit lancer sur le côté là. Ah, j'aime bien. Là. Enfin, je crois que je vais commencer à garder les poissons. Enfin, en garder au moins un de chacun qui a attendu quoi. Parce que comme on n'a plus de jours de pluie là, on n'a pas pu pêcher tout ce qu'on devait pêcher. Oh là, l'XP c'est insane là. Je suis tellement en train d'XP comme jamais là. Elle est restée longtemps la bulle. Hein. Oula. Le flétin. Oh le bâtard, il a plongé. Oh, je suis tellement en train d'en profiter là. Quel profiteur. La profiterole. Ah, il a donné les points à la team chien, Xubi. Il a pas. Il n'a pas été déméritant. Hein. Allez hop. Ah merde, la sardine en or. Mais oui, mais comme j'ai pas pu faire les géodes, oh, ça me met au fond. Comme j'ai pas pu faire les géodes, ça me met au fond. Ah, oh, 2 minerais de cuivre, on va dire qu'on s'en bat. Qu'on s'en bat. 2 minerais de cuivre, qu'est-ce que c'est en fait? Faut que j'aille le prendre, c'est obligatoire. C'est beaucoup trop bien les coffres. Il peut y avoir du charbax dedans. Et le charbax, c'est la vie. 2 cristals de terre. On va faire comme si on en avait rien à foutre. Prou prou! Encore, mais mon dieu. Cet XP. Un fossile d'amphibien. Ah oui, mais ça je dois prendre. Ça je dois prendre, ça va au musée, ça. Pourquoi j'ai gardé ma faux sur moi, là? Qu'est-ce que 3 minerais de fer, hein, au final? Non mais arrête, mon dieu, cette chatte. Ça va tellement se voir que je triche là. Un hareng dans un hareng. Une hareng. Je suis obligé de jeter des poissons quoi. Sinon, faudrait que j'en mange en fait. Plutôt que de les jeter. Oh bah celui-là, il était dur à pêcher, hein, putain. C'est un hareng, ça, c'est sûr. Vas-y, je vais jeter les sardines. Le hareng en or, c'est mieux. Mais la bulle, elle est buggée, hein. C'est pas possible qu'elle reste aussi longtemps, hein.
Non mais c'est insane en vrai ce qu'on est en train de se passer là. C'est free XP, free, free tout quoi. Oh là là. Je suis obligé de tout jeter. Bon après en vrai là c'était pas très intéressant. Oh c'est le flat. C'est le flat. Non. C'est bugué je pense. Je pense legit qu'on est sur un bug là. Je trouve pas ça normal que le la bulle reste aussi longtemps en fait. Deux fossiles d'amphibiens. Je sais pas trop quoi ça sert d'avoir deux fois le même artefact. Peut-être qu'on peut le vendre après. Mais c'est abusé là en vrai. Tu vas devenir main Stardew bientôt? Non, impossible. J'adore ce jeu, mais il n'y a évidemment pas assez de gameplay quand même. Mais oui, j'adore le jeu. Flèche en or. Mais j'ai pêché ma vie là, j'ai pêché toute la mer en vrai, il y a plus de poissons là. Hein. 100% demain, il y a plus de poissons dans la mer. Hein. Et ce qui est énorme, c'est que le temps passe pas vite. Parce qu'à chaque fois, le mini-jeu du poisson, quand ça mord, quand ça fait bup bup, et que je fais ça, le temps ne passe plus, ça arrête le temps. Du coup, le temps n'a pas défilé à fond, quoi. Par contre, ce qui est con, c'est que je suis en train de baiser mes appâts. Sur un point d'eau comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de laisser les appâts sur la canne à pêche. Là je vais tellement XP ça va être n'importe quoi. Hein. Vous commencez à être épuisé. Bah je comprends pas pourquoi. Hein. Là il va se barrer par contre. J'ai jamais vu ça. Rester aussi longtemps, j'ai jamais vu ça. Hein. Pourtant, j'en ai fait de la pêche sur Stardew. Hein. J'ai quasiment fait que ça. Hein. Merde. Ah. Bon. Eh ben putain. Pas lui là. Comprends rien à la pêche dans ce jeu. Bah y a un petit poisson, faut que tu maintiennes la barre sur le poisson. On va aller donner quelques poissons au community center. Paquet quasi à crabe. J'ai rien pour. Paquet poisson de mer. Il faut une anchois. Non. Il faut une sardine. Le thon, la vivano rouge, tilapia, tout ça, on n'a pas. Et donc tout le reste, c'est de la bite. Tout le reste, on n'a pas. J'essaie de me rappeler un peu ce qu'il faut capturer. Ça va en vrai. En vrai, il y a si peu de poissons à capturer pour les bundles. C'est abusé. Hein. Peut donner une patate? Non, mais c'est la cueillette, ça.
Ouais, donc pour l'instant, j'ai pas besoin de donner un chou-fleur en or. Ah, c'est ça, paquet récolte de qualité. Ah, c'est les panés en or qu'il faut. Le chou-fleur en or, j'en ai pas besoin, donc je peux le vendre. Chou-fleur en or, je peux le vendre. Sans le wiki, il faut 4 ans pour pêcher tous les poissons. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais... Bah, évidemment, j'avais appris les strats grâce au wiki. Est-ce que le musée est encore ouvert? Ce serait cool que le musée soit encore ouvert. Faudrait que j'achète une salade pour demain aussi. Ça va être fermé. Non, c'est bon. Ok, donc le deuxième artefact, je le vends en fait. Je vais juste le vendre. C'est pas ouf, mais je vais le vendre. J'ai pas vraiment mieux à faire, quoi. Tiens, Woody, il est en train de pêcher au calme. Tum, tum, tum. Ah, ce qu'il faudrait que je fasse, pourquoi pas aujourd'hui, c'est pêcher les autres poissons à la montagne, ici. N'a pas vu la waifu. Mon poulailler sera sûrement bientôt construit. On va bientôt avoir des choux-fleurs à vendre aussi. Putain, mais du coup, j'ai pas fait assez de panés. Il est trop tard pour faire des panés? Non. Il est pas trop tard pour faire des panés avec du fertilizer. Il est pas vraiment trop tard. Ça termine le 28 et les panés, ça met 5 jours à pousser, je crois. Bon, qu'est-ce que je vends? Le hareng légendaire, je vends. Flétan, je vends. Les deux flèches, je vends. Je vends. Je vends tout. Ça, je vends. Ça, je vends pas. Patate, je vends. Quoique après, il faudrait que je garde, en fait. Il y a des trucs qu'il faudrait que je garde et que je les stocke en mode je peux les vendre. Je prends 4 jours à pousser les panés. Ouais, c'est rapide, hein. De mémoire, c'est rapide, les panés. On va remettre mon outil de con là. Je sais pas à quoi ça sert, c'est moche. C'est moche. Lingot de cuivre, géode gelée, lingot de fer, géode. Ok. 18h10. Il y a encore moyen de faire des trucs. Faut que je regarde combien j'ai de wab. Regardons combien j'ai de bois. Du bois, j'en ai... Faut que je regarde à quelle heure ferme la boutique aussi. J'en ai que 130... Il va falloir que je recommence à faire du bois parce que ça m'a coûté beaucoup de bois le poulailler en fait. J'allais chercher des panais et tout là. La recette du poisson panais. Le fameux. Salut Toshiar. Je pense que là, le magasin va être fermé. Après, je peux acheter ma salade quand même. C'est pas trop mal. C'est ouvert, incroyable. Ah non, mais c'est ouvert, mais... Si tu trouves des produits sauvages, je te les achèterai à un prix raisonnable. Revenez quand Pierre est au magasin. Mais il est dedans, mais il brasse. Oh, quel enfer. Il vient de quitter son poste, quoi, à 19h. Quel tir au flanc. Deux salades, Michel, mais c'est pas du tout pour ma copine. C'est pas du tout pour ma copine la semaine prochaine. Hein, c'est... Tu vas bien? J'aime décorer en fonction des saisons. Pareil. Quelle arnaque, putain. Bon, vas-y, on va pêcher. Mais du coup... Ah non, putain, les appâts, ils sont restés. Ah bah non, non, j'ai pêché 31 fois. J'avais 100 appâts. Après l'heure, c'est plus l'heure. Putain, il m'a bien baisé là-dessus. Hein. Enfin, c'est pas grave, j'ai des trucs à lui vendre. Donc si on plante les panais demain, c'est pas grave. Ça se fait. Mais du coup, c'est les melons aussi qu'il faudra en qualité. Enfin, les melons, on va mettre du fertiliseur dans tous les sens, ça va être n'importe quoi. Palop, palop. Pop, 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 pop.
Sa mort. Ça, j'en avais besoin. Putain, carpe en or, la carpe au trésor. Les melons. Ok, donc ça, c'est déjà, c'est pas la même chose. Ah, c'est Jean-Pierre Chevènement. Mais j'en ai pas besoin de Jean-Pierre Chevènement, je crois. Pané, melon, maïs et je sais plus quoi. Ouais. Après, là, il est tard, donc il y a des espèces de poissons qui doivent plus être là. Je crois que c'est fou, le chevènement. En fait, chevènement, ça donne beaucoup d'énergie. Hein. Ça donne... le plus bas chevènement, il donne autant d'énergie qu'une baie saumon, quoi. Ouais, c'est insane. Ça, c'est une carpe. Non, c'est encore un chevènement. Putain, mais il n'y a que lui, quoi. La barbotte. Je sais plus si on en a besoin pour le bundle, on va voir. Trop bien l'appât, hein. Ça change tellement la vie, putain. Boum boum. Passion pêche. Ah, moi je suis totalement passion pêche. D'un côté, il n'y a pas grand chose d'autre à foutre. Enfin, si, il y aurait la mine. Il faudrait faire la mine à l'infini, mais bon. On pourrait agencer notre ferme. Mais vous savez, moi, l'aménagement, tout ça, ça m'emmerde. Faire une jolie ferme. Faire une jolie ferme, moi, ça m'emmerde. Ça, je vous le dis tout de suite. Je suis pas là pour faire une jolie ferme. Je suis là pour récolter, faire des ressources. Il n'y a que des Jean-Pierre Chevènement, ça m'a saoulé. 15 appâts, ça par contre c'est insane. La limite de se rembourser la journée. Hein. La journée de pêche. La bande d'arcade au bistrot. Ouais, on en a testé une sur deux, mais en fait j'avais des problèmes de ZQSD, donc ça m'a saoulé. Mais ouais, j'ai testé. Ah bah super. Mais non, mais faire ta petite jolie ferme là, avec les petits chemins, les barrières. Et... Pars dans les locaux de les ventes des Airbus ce soir où tu restes. Ah non, on va sur place. C'est depuis, là, depuis les ventes. Paquet poisson d'eau douce. Ah, il y a paquet poisson nocturne aussi. Poisson de rivière. C'est eau douce alors? Le poisson d'eau douce. Les sturgeons, c'est pas à cette saison-là. Et la chigan à grande bouche, je crois que c'est quand il pleut ou un truc comme ça. Je sais plus. Je sais plus. Pas de jolie ferme, pas de fête des œufs. Ouais, bah, pour ça, hein, faut aller chez Mintos. Hein. On va dans les locaux ce soir. Putain, je vais être explosé. Ça commence à 1h du matin. Et je me suis dit, je me suis couché hyper tard hier en me disant, je vais me recaler et tout. Enfin, je vais me caler sur le rythme du coup de faire un live à 1h du matin. Et en fait, je me suis réveillé à midi en me couchant hyper tard. Du coup, je suis vénère. On vend la carpe, on vend l'algue, c'est bon. Mais j'ai pas ma hache, je peux pas miner, je peux pas miner du bois. Je peux pas miner du bois, putain. T'as travaillé la nuit, hein, travaille de nuit. Hein. Niveau 7, pêche, nouvelle recette, le flotteur en liège, nouvelle recette, chasseur de trésors. Que niveau 7? Putain, en vrai, on aurait pu passer niveau 8, là, what the fuck? Ça coûte 165, c'est quoi? 1830 de pêche! Rayman, ça vaut ultra le coup, bien sûr. 1830 de pêche. La reine des sauces! Bonjour, c'est moi, la reine de la sauce. Je suis ici pour vous apprendre une nouvelle recette de mon livre de cuisine secret qui vous mettra l'eau à la bouche. Le plat de cette semaine est la salade de radis, rien de tel que du radis frais et poivré. Cela me rappelle la fin du printemps, ma mère coupait nos radis frais et les servait sur du pain de céréales avec un peu de sel et de poivre. C'était le bon temps, mais je me souviens du sujet maintenant, regardez bien.
On a appris la salade de radis. Les esprits sont un peu agacés. Connard. Connard d'esprit. Ah ouais, mais c'est insane, ça. XP, là. Free XP, free XP, free money. Free XP, free money. Oh, free XP, free money. Bah, attends, parce que... la jonquille, Osef. Qu'est-ce qu'on garderait bien pour l'énergie, là? Les poireaux. On peut garder les poireaux pour l'énergie et tout le reste, ça part en vente. Hein. Directement à la vente, à la vente, à la vente, à la vente. Pissenlit, ça se garde aussi. Mais... ça va replanter du panais aujourd'hui, je vous le dis. Ça va replanter du panais comme Jaja. Qu'est-ce que je fais? Ok. Il faut que je trouve ma waifu. J'ai une nouvelle quête ou c'est moi? Tenez le fond. Ah oui, c'est mon poulailler qui est pas là encore. Il est où, Chacha? Il est là-bas, Chacha. Coucou, le Chacha. Miaou. Le best bro. Putain, les choux-fleurs qui mettent 15 ans à pousser, là. Salut, Pimu. Léa, c'est dans la poche. Bye. Ça va, ça monte, ça monte. La sauce monte, on est à 3. 3 de relationnel. À boire pour le chacha? Comment ça, à boire pour le chacha? On peut donner à boire au chat? Me spoiler, là. Je recherche quelqu'un pour inventer 25 unités de minerai de cuivre pour voir s'il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Va mourir. Ce serait pas mal d'avoir un jour de pluie là. Petit jour de pluie histoire de pêcher tous les poissons du monde là. Le small boost. Une algue verte. Oh, le perfect. Le double perfect. Oh, alors ça, c'est insane. En termes d'XP, ça, c'est insane. C'est fois je sais plus combien. Bon, c'est dommage, c'est un poisson qui rapporte rien sur lequel je l'ai fait. Insane mad skills. Salut, ce qui gère ça. Comment ça va, la skige? Mais c'est que des small mousse, ça. C'est que des poissons nuls. Ah non! Petit poisson lune, quand même. C'est un plaisir, ça. Ça pourrait mieux aller. Ah, malade. La maladie. C'est le week-end, en vrai. L'achigan à petite bouche. Je suis pas pêcheur, mais l'achigan, ça me dit vraiment rien. C'est marrant, mais... est-ce que l'autre, il a enfin fini ma hache? Le boulot qui fait chier. Oh, putain. Le boulot qui casse les couilles. Hop. Le boulot, c'est de la merde. Salut, chewing-gum. La hache de cuivre. Vous avez reçu hache de cuivre. On a de la géode là. Oh, des gold. Et on a de la pyrite. De la pierrasse. De minerai de fer. De la stéatite. Un artefact. La jamborite. Hache d'acier, utilisée pour couper du bois. On pourrait augmenter la... pour augmenter la pioche aussi. Hein. Le problème d'augmenter la pioche, c'est que ça coûte de l'argent. Quoi. Sinon, je l'aurais fait insta, en fait.
faire un don au musée. Je donne tout au musée, je m'en bats les couilles. Hein. Des graines de carambole à planter en été, il faudra 13 jours pour arriver à maturité. C'est cool. Ça fait plein de trucs à faire pousser, ça. Let's go. Ashigan, c'est plus dit au Québec qu'en France. Ah, mais c'est ce genre de trad, que je vois. Y'a papy. Ce serait pas mal que je reset mon chat en fait. Voilà, parfait. Allez, on va acheter du pané là. Alors, des graines de pané. La vraie question c'est j'en prends combien? 20 panés, on va bien en avoir 5 en or. Si je prends... Si je reprends du fertiliseur là. Avec 12 fertiliseurs, je pense que c'est gratos en vrai. Avec 12 fertiliseurs, je pense que c'est gratuit. Poisson de rivière. Le poisson lune. La truite tigrée, on peut la voir ici, je crois. Bon, le small mousse, il sert à rien, je crois. On est d'accord, il est nulle part. Alloum. Je vais juste vérifier avant de vendre. Dans le bon mindset. Ah! Par ici. Bon, on va replanter tous nos panés, là. On va mettre du fertiliseur. Il faut qu'on trouve la waifu. Et après, qu'est-ce qu'on peut branler, on va dire. Il faudrait refaire des mines, mais là aujourd'hui les esprits sont un peu agacés, donc ça va pas être ouf. Là j'ai des minerais à faire aussi. Alors, ça tu vends. L'améthyste on va garder, la variante du quartz là. Voir un truc, minerai de fer. Tu chat. Charbon, pierre. Donne-moi l'engrais, là. Ça, ça va là. Il n'y a pas un bouton pour trier les trucs? Ce serait pas mal, ça. Alors, c'est parti. Il me faut ma bêche. La béchamel. Après, j'en ai pas vraiment... Bon, c'est bon. Je la prends quand même. Allez. On va faire ça sérieusement. On va faire ça sérieusement. Faire ça propre. Hop. Une vingtaine de panés. Alors, mettre du fertiliseur avant d'arroser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, maintenant mettre des panés. Pourquoi je l'ai planté derrière? Je suis un énorme con. J'aurais jamais dû le planter derrière. Donc ça devrait être suffisant. On va bien en avoir 5 en or là-dedans. Hop. Merci Chewing-Gum pour les 17 mois, des bisous. Il y a bien un bouton pour trier. Faut que je le trouve. Centre communautaire organisé. Ah oui, il y a un truc qui s'appelle organisé quand même. Faut que je le fasse dans mes coffres, organisé. Organisé. C'est cool, ça. Parfait. Parfait. Qu'est-ce que j'ai sur moi? À part du charbon, des lingots, des machins, rien. Ça, je vais aller le remettre là-dedans. Ok, des lingots de fer, j'en ai 6. Ce qui est déjà pas trop mal. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On veut trouver la waifu, bien évidemment. Putain, ça pêche rien, mon truc à crabe, là. C'est pas censé pêcher tous les jours, en vrai. On le récoltait pas tous les jours, ça?
Je crois que là, le problème, c'est que... Nous, on avait choisi la ferme machin, là. On avait choisi la ferme dans la forêt, et dans la forêt, c'est... Ouais, voilà, c'est là qu'il faudrait le mettre, en fait. Ici, je crois que ça fonctionne, mais sur l'autre point d'eau, ça fonctionne pas. Sinon, on va directement aller le mettre à la plage, hein. Après, on va tester de le mettre ici. Il me semble qu'ici, ça va fonctionner, mais... à vérifier, quand même. Bon, la hache en cuivre... Qu'est-ce qu'elle a de mieux, la hache en cuivre? C'est pas clair pour l'instant. Salut, il y en a ça. Est-ce qu'on peut couper les gros bouts de bois avec la hache en cuivre? Non. Va falloir la hache en acier. Chier. T'as mis du bait dedans. Ah, mais c'est ça, putain. Mais oui, mais non, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. On se fait backseat, mais oui. Ça, je le savais. Normalement, je le sais, ça. Normalement, je le sais. Normalement, je le sais, ce genre de choses. Le panier, c'est l'arnaque, ouais. Mais normalement, je le sais, putain. Ça, je le savais, normalement. Bon, elle est pas chez elle. Est-ce qu'on est au lac? Que madame fait de la peinture. Oui. La salade. Oh, il y a le traveling cart, incroyable. Oh, c'est exactement ce que je voulais, merci. Si tu entends des coups venant de ma hutte, c'est probablement que je travaille sur une de mes sculptures. Et je peux lui refaire un cadeau dans la même journée? Tu as déjà offert un cadeau à Léo aujourd'hui? Ok, non. C'est une fois par jour. Un poireau, une carotte des cavernes, la tulipe, la viande d'insecte, une fraise, un hameçon à l'heure. La graine rare. En vrai, la fraise... Il n'y en a pas besoin pour les bundles, mais... c'était fait, quoi. La grosse différence avec le jeu, bon là... Tu avais tout optimisé, c'est à peu près pareil. Ah, Forager. Non, mais Forager, c'est différent parce que c'est très arcade. Celui-là est beaucoup moins arcade. Beaucoup plus posé, chill. Forager, il te motive à jouer vite, en fait. Bon, bah là, faudrait faire de la mine, mais il est déjà 16h50. Je pense qu'on va couper du bois. Hein. Je pense honnêtement qu'on va couper du bois aujourd'hui. Du web et faire de la pierre, et puis voilà. Hein. Pire, ça me fera des petits snacks en plus. Oh putain, je me disais, il y a quelqu'un qui coupe du bois avec moi, mais en fait, c'est l'autre qui est en train de travailler. Les points pour la team chat, GG well played, j'avoue. Putain, je consomme encore tellement d'énergie. C'est abusé. Arrête de taper dans le vide. Hello. Allô. Comment allez-vous, monsieur PSVR? Tu m'entends ou je suis mute? Non, c'est juste que j'avais mis le son pas très fort. Ah merde. Mister PSVR, là. Et ouais. Monsieur Bit Sabre. C'est un peu ton jeu, Stardew Valley, aussi. Hein. C'est vrai. Ouais, je peux pas tout faire. C'est vrai. Et pour le coup, comme y a vraiment rien à faire dans le jeu, c'est un peu ton jeu. Ouais. Les jeux où y a rien à faire, c'est mes jeux. Bah ouais. Bah oui. C'est vrai. Pas que, mais... C'est là où je suis le meilleur. C'est là où t'es le meilleur. Putain, on est en train de déforester, là. Je mange, j'en peux plus. Il défouraille. Stardew Valley en VR. Stardew VR, quoi. Ouais. Ouais, du coup, avec mon PSVR, j'avais 5 jeux. 5 jeux offerts? Ouais, c'était un pack avec 5 jeux. Ah, 5 expériences, quoi, on va dire.
Bah, je crois que c'est des vrais jeux. Il y avait genre, il y a Skyrim VR. Skyrim VR. En fait, Skyrim VR et Doom VFR. Là, oh là, c'est là. Impossible. Là, c'est impossible que tu sois pas malade. Doom, je pense que c'est impossible que tu dégueules pas. En fait, tu te déplaces. Tu peux te déplacer avec tes. Avec le stick et tout. Sauf que si tu te déplaces de manière trop saccadée, c'est trop vénère. Oh, et Skyrim, bon. C'est pareil, c'est trop. Ah, le head bopping sur Doom VR, quoi. C'est quoi cette maison là? Puis Skyrim, on l'a tous fait sur micro-ondes, c'est bon quoi. Je l'ai pas fait, moi. Mais Skyrim VR, tu peux faire tout ce qu'il y a dans Skyrim aussi? J'en ai aucune idée, mais je crois que ça recommence. Ça ressemble au début que j'ai cru voir, que je crois que j'ai vu sur YouTube. Donc, En vrai, j'ai joué même pas 5 minutes parce que ça en fait. Bah, le début, c'était dans un chariot et ouais, après, tu fais ton perso et tu te fais couper la tête, mais pas vraiment. Non. Ouais, ça. Oui, enfin, oui, tu te fais couper la tête, mais non, et après, il y a un dragon. Ouais, c'est ça. Bah, je t'ai à peu près rendu là. Et bah, quel enfer! Tout Skyrim en VR, non merci. Hein. Déjà, tout Skyrim tout court, non merci. Oh mon dieu, ce bois, cette récolte de wab, comme on n'en a jamais vu. Pistol Whip est un très bon titre VR. Putain, mes B là. Ouais, je suis en train de prendre tellement de B. Astrobot ? Ouais. Celui-là, il est VR, ça donne quoi ? C'est quoi le principe du jeu ? Bah, le principe du jeu, c'est que t'as perdu plein d'astrobots et faut que tu ailles les récupérer dans des niveaux. Et tu joues un petit astrobot. Ok. Ça fout un peu la gerbe au début, mais ça va. Je veux bien te croire. Mais c'est marrant parce que du coup, tu peux regarder dans les décors et tout. En fait, t'as l'impression d'être un géant dans les décors. Bon, bah, j'en aurais coupé du bois, hein. Putain. Et le dernier, c'est Wipeout. Wipeout. Ah, Wipeout, c'est. Ouais, ça doit être la gerbe aussi, je pense. Ouais, un peu, ouais. Mais en vrai, ça donne des bonnes sensations quand même. Putain, j'ai coupé 360 bois, quoi. Le mec a pas le temps, quoi. J'ai no time. Du coup, c'est à 1h que t'es sur le. Ouais. 1h du matin. Quel menteur. De quoi? C'est pas ma faute, hein. Moi, je pensais que c'était minuit. 6. On est limité par quoi là? Par les pommes de pin? Non, par les machins là. C'est lui Aurélien Bézadache. T'as déjà réparé le pont? Non. J'ai pas réparé le pont, mais je pense qu'on pourra le faire. Je vais garder le wab sur moi. Je vais garder le wab sur moi, j'avoue. Ça fait quand même 300 bois quoi. 300 bois, c'est beaucoup. Allô, dodo! Niveau 4 cueillette, une compétence de hache, une récolte de baies sauvages, nouvelle recette de fabrication, la fournaise à charbon. Nouvelle recette de fabrication, graines sauvages, été. Ouah, tous les points de cueillette, ça nous a donné free gold, ça. Hein. Free gold. Journal mis à jour. Vivre à la ferme, ça va être quoi les astuces, là? Trouvez-vous une canne à pêche et vendez vos prises. Oh, bah non, mais c'est bon, tu vas pas me backseat la pêche, non? Les esprits sont d'une humeur normale aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut faire de la mine, ça. Ce serait pas ouf, mais... Oh, mon poulailler, il est là! Élevage d'animaux. Robin, la menuisière locale, vit au nord du village. Ouais, bon, ça, c'est pas une mise à jour, quoi. Tout au fond, atteignez le fond de la mine. Regardez-moi ça, j'ai un poulailler! Yes, le silo est vide. Construisez un silo et coupez l'herbe avec votre faux pour la remplir. Yes! Faut acheter des poussins, maintenant. Faut acheter les petits poussins. Faut qu'on aille voir celle qui vend les animaux.
Quelques choux-fleurs au passage. Putain, le haricot, ça met 15 plombes à pousser, hein. C'est scandaleux, en vrai, hein. J'en pousse un, la base. La base. Ok. Savez-vous planter des choux? Moi, je plante bien les choux. Oh, on l'a pas celui-là, je crois. Je sais plus. C'est le bigorneau. Le bigorneau. Hop. Bon, allons voir combien ça coûte d'acheter des petits poussins. Ça va coûter trop cher, putain. 100% ça coûte trop cher. Argent trop cher. C'est fermé, ouvert de 9h à... Oh, vous m'emmerdez. Toujours être fermé, là. La porte est verrouillée, là. Tout le monde est tout le temps fermé dans cette ville, là. Ils peuvent pas ouvrir tôt le matin. Moi, je suis debout à 6h, hein. Les honnêtes gens, ils se lèvent à 6h, ils bossent, hein. Avec des chômeurs, là. Des chômeurs. Où ça? Où ça les chômeurs? Dans Stardew, il y a que des chômeurs. Du coup, voilà, hein, on optimise une heure en pêchant, quoi. Ma future meuf, elle est pas debout non plus, là. Ça fait la grasse mat. Déjà 9h du mat. Comment tu veux run une ferme? On peut pêcher le poisson lune ici aussi. Ah oui, mais ici c'est pas la montagne, oui, c'est la rivière, c'est vrai. Ok, je vais pouvoir aller faire le tour des magasins là. Quoi, mais ça bosse pas là? Bah. Mais rien que les bêlements, hein. Ça taffe pas, putain. On est lundi et ça travaille pas, quoi. Oh, je suis vénère. Elle doit être en ville en train de faire des courses. Allons faire nous-mêmes nos courses, vendre nos choux-fleurs, etc. Là. Mais elle est là! Oh, toutes ces thunes! Ça donne limite envie de racheter des panais, ça. Hein. Mais non. Après, on a dit qu'on était sur une journée normale, donc on pourrait miner. Mais est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte, finalement, d'aller donner genre la pioche au mec pour que dans 2 jours, la pioche soit faite, en fait? Coûte combien le nouveau sac? Il coûte 10 000. Le nouveau sac, c'est 10 000. Cher, 10 000. Améliorer les outils. La pioche de cuivre. Merci, je commence dès que possible. Ça devrait être prêt dans quelques jours. C'est 2 ou 3 jours, quoi. 2 ou 3 jours, la truc de cuivre. Il pleut plus, là. Il pleut plus dans mon spring. C'est chiant. On vient de payer 2000. Je suis sûr qu'un poussin, c'est au moins 2000 aussi. Bonjour, est-ce que tu veux bien te bouger le cul, en fait? J'adore les animaux, monsieur Chius. Tu traites bien les tiens, je suis sûr que nous allons devenir amis. Bah oui. Mais retourne vendre des trucs. Parce que là, tu ne me sers à rien, en fait. Il y a une quête. Ouais, il y a une quête, mais les quêtes, généralement, c'est genre 200 gold pour aller chercher un truc qui va te prendre une demi-heure. Je voudrais essayer de garder l'art de la pêche en vie, je paierais 120 PO à tous les joueurs qui attrapent 4 poissons lune. Ah, tu vois, genre, 4 poissons lune, 120 PO, c'est une connerie. Si je chope 4 poissons lune à moi tout seul, je me fais plus que 120 PO, quoi. Mais, ça vaut le coup de vérifier s'il n'y a pas une quête pour ma... Oh, bah, la femme de ma vie! C'est exactement ce que je voulais, merci.
On est à 4 sur 8. Les arbres sont si beaux aujourd'hui, n'est-ce pas? Passer du temps dans la nature est très gratifiant. Vas-y, on passe du temps ensemble. Vas-y, viens, on passe du temps ensemble. On est à 4, là. On est à 4 d'amour. Bah! On va où? Tu décides. Tu te fais des copains. Ouais, mais les copains... Sauf que tu gardes les poissons. Ah ouais. Ah ouais, si tu gardes les poissons, c'est drôle. Vas-y, on va faire la quête. Allez, retourne au truc. C'est bientôt la fête du la fête au village là. Zéro sur 4 poissons lune attrapés. Toi, retourne travailler, on va venir t'acheter des poussins. Le mec la suit dans la rue. Bah ça va, on commence à flirter, c'est bon. On commence à flirter, je suis pas creepy, arrêtez vos bêtises. Faut 4 poissons lune. 4 poissons lune pour 120 gold, mais c'est si peu cher payé quoi. Quelle honte. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, non, pardon, quand il y a le jeu de la pêche, c'est vrai que... Je crois qu'elle avançait plus, elle t'envoie dehors. On va regarder Bob Ross pêcher quand même. Ce serait vraiment dommage de louper ça. C'est juste que quand on déclenche le mini-jeu de la pêche, en fait, le temps ne défile pas. Ouais, je suis rentré chez elle la nuit, mais c'était pour voir ce qu'il y avait. Comme ça, ça fait peur quand même. Mais non, mais c'est une feature du jeu. En fait, c'est à partir du moment où t'as 2 points d'amour avec une personne, tu peux rentrer chez elle quand elle est pas là. Allez, un deuxième poisson lune au moins là. Un deuxième poisson lune avant que j'aille acheter mes conneries là. Ce serait trop cool qu'on ait un jour de pluie quand même. Oh la vache, elle a l'air si contente. Mais allez, vends-moi des trucs, putain. Qu'est-ce que tu fais? Ah, 100% le magasin est pas ouvert le lundi. 100% avant rien le lundi. Ouvert de 9h à 16h la plupart du temps. Ah ouais, mais se mettre au guichet par contre c'est pour les chiens quoi. Merci beaucoup Newar pour les 21 mois de sub. Ces agriculteurs. Hein. J'ai deux doigts de mettre mon gilet jauné là. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui bosse dans cette ville. Brou 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 brou. Encore un coffre. Oh oui oui oui. Non. Diode de lave au passage. On est à 3 poissons lune. Petit quatrième serait... Oula, c'est pas un poisson lune ça. Quoique. Il aurait peut-être juste jump direct. Ah si, c'en est un. Retourner vers Willy. Bon, dernière chance pour que tu me vendes des trucs toi. C'est dégueulasse. Je peux même pas lui parler. Bah allons voir Willy. Hein. Bonjour petite. Oh, tu cherches tante Marnie? T'inquiète pas, je l'ai trouvé. C'est juste une grosse feignasse. C'est Mandras. Il est beau ce jeu. Hein. Ah, regarde son micro-ondes, ouais. Ça a l'air assez passionnant, ouais, ce qu'elle y voit. Oh, Joe le brasseur. Je suis moi-même nouveau dans ce village, mais je m'y sens vraiment chez moi. T'as toujours dit ça, en fait. T'as jamais rien dit d'autre. C'est parti pour la réparation du pont.
Hop, et là, 300 morceaux de bois, mon gars. Un corail. Ça doit être tellement la déception. La première fois que tu viens ici, tu dois être tellement déçu, tu sais. Genre, tu payes 300 morceaux. Bon, après, il y a le poisson légendaire, hein. Mais tu payes en été. Tu payes 300 morceaux de bois juste pour avoir accès à ce bout de plage où des fois il va y avoir des coraux et d'autres moulasses, quoi. Mais en soi, tu t'attends peut-être à trouver un autre pan de niveau et en fait, non, il y a juste ça, quoi. Bon, Willy, j'espère que t'es pas en train de te piffer au bar. Non, c'est bon. Et t'as réussi chez You, Poisson Lune est une très bonne prise. Pardon, c'est pas du tout sa voix. Oh, je crois pas, parfois ces animaux ne se montrent si intelligents que c'en est effrayant. Eh bien, voici ta récompense, félicitations. Merci beaucoup pour les 120 PO, vieil homme. Merci beaucoup, vieil homme. Pour ces 120 PO. Tain, 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 tain. Pum. Important d'avoir les deux salades sur nous, toujours prêt à l'affût. Qu'est-ce qu'on va foutre d'autre là, hein? En vrai, on aurait dû aller à la mine, mais pas aller à la mine, ça va pêcher. Team chat et team chien. Tenchix, il a pas choisi. Tenchix, il a donné et pour la team chat et pour la team chien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Les tricheurs. Pas tricheur, hein. Ça sent qu'on va couper du bois là, je crois, hein. Non, ta race. Ah, il y a un truc que je vous ai pas dit, mais faut que vous me spoiliez les vers de terre. Parce que des fois, il y a des petits vers de terre qui sortent de la terre et faut creuser. Et tu peux avoir des artefacts dedans. Sauf que j'y fais absolument pas gaffe depuis le début du playthrough. Donc quand vous voyez un ver de terre à l'écran, faut que vous me spoiliez. Alors attends. On peut faire un seigneur, on peut faire une fournaise à charbon. On transforme 10 morceaux de bois en un seul morceau de charbon. C'est pas dégueu ça en vrai, hein. J'ai sorte de crabe. Clôture en bois. C'est la première fois chez You, oui. Le backseat c'est 30k, je peux pas t'aider. Ah si, ça vous avez le droit de m'aider. Vous avez le droit de m'aider pour... Attends, mais de l'engrais de base, améliore un peu la qualité du sol, augmentant vos chances. Attends, mais on peut faire de l'engrais nous-mêmes. Et je l'ai acheté 100 PO l'engrais. Je suis un abruti. Engrais de croissance rapide. Mais attends, on peut faire de l'engrais nous-mêmes? Et j'avais même pas remarqué, quoi. Quel con. J'aurais dû bien mieux regarder les recettes, en fait. Ça, il va me faire de la fibre et il va falloir refaire des épouvantails, c'est sûr et certain. Merci beaucoup Matt pour les 9 mois. 9 mois de sub avec Twitch Prime, des gros bisous. Et merci à Urek pour les 40 mois. Avec Twitch Prime, 40 mois. Des bisous. Cimer. Les verts, il y en avait déjà 2 ou 3 à la plage. Ah ça, vous avez le droit de me spoil. Les verts, vous avez le droit de me spoil parce que comme je suis pas concentré sur ça à l'écran, je vais les louper. Alors que c'est dommage, il faut que je les déterre pour le... comment dire, le musée. Les artefacts dedans. Les verts, vous avez le droit. Une pomme de pain. Déforestation, objectif, déforestation. Mais j'ai plus de pioche.
Les points pour la team chien. Mais vous gagnez beaucoup trop de pesetas, c'est un problème. Hein. Il gagne pas, il dépense. Je crois que je devrais laisser les arbres. C'est Black Friday, t'aurais dû réduire le prix. Ouais. Ouais, c'est ce que tout le monde a dit. Je trouve ça facile, moi. Mangeons des snacks, des casse-croûtes. En fait, couper des arbres, c'est un peu autosuffisant, quoi. Le pentagramme. Du coup, on n'aura pas acheté d'animaux aujourd'hui. Cher. Il y a quelqu'un qui a backseat à 34 tout à l'heure. Ça, c'était un gentil backseat en vrai. Coupons que les grands arbres. Tous mes snacks. Le silo et la nourriture pour animaux? Non. Mais la nourriture pour animaux, je vais l'acheter chez elle. Et le silo, ouais, le truc m'a dit d'en crafter. Putain, j'ai loot tellement de pommes de pin, ça va faire tellement de snacks. Tellement autosuffisant les arbres. Tellement le meilleur design. 23h20. Vas-y, j'en coupe encore. J'en coupe encore 3 là. Y'a des crabes dans votre film ? Ah, y'a des crabes dans Stardew. Ouais. Ça, c'est validé. Je pourrais limite me remplir le bundle construction aussi. Coucou Tisha. Alors au niveau des snacks. Craft. Ok, 532 pain, c'est bien. La sève, c'est cool. Tout le reste, on garde. Non, ça, on garde pas. Perfect. Ça, c'est quoi, c'est une torche? 3 torches. Torche, c'est pour mettre dans les mines, non? C'est un peu aux F-tirs, là. Non, récup. Putain, je peux pas la récup. J'ai mis une torche au pire endroit. Quel con. Putain, j'ai mis une torche à un endroit où fallait pas mettre une torche. Tant pis. Oh. Faudrait que je regarde comment le craft le silo en fait. Je suis même pas sûr de pouvoir actuellement. Chemin de gravier, nanana, piège. Pancarte, fournaise, épouvantail, ruche, clôture de pierre. Faut que je retourne voir dans le poulailler, il y a peut-être la recette dedans. Bonne nuit! Petit argent dû à la pêche. Au calme.
Alors, les esprits sont un peu agacés aujourd'hui. Ça tombe bien, on peut pas aller à la mine. Le silo est vide. Construisez un silo et coupez l'herbe avec votre faux pour la remplir. Construisez un silo, t'es marrant, toi. Genre, j'ai pas la recette. C'est moi ou le haricot, c'est le truc le plus long à faire au monde. Peut-être qu'il y a une compétence que j'ai pas assez haut level pour construire des silos, en fait. Simplement. Ouais, ce jeu, c'est un peu un trou noir du temps. Il est déjà 19h. Genre, j'ai chez eux. Ah non, pardon. Genre, chez eux, demain, une réunion tous pour la dose d'Ifleur. Vous pouvez trouver un partenaire, vous pourriez participer aussi à la danse. Une petite carrière au-delà de la forêt, à l'ouest du village, vous arrivez où la danse. Venez entre 9h et 14h, si vous êtes été ici. Ma partenaire est toute trouvée. L'autre travaille sur ma pioche. L'autre, il travaille sur ma putain de pioche. On va aller voir là-haut. C'est ouvert ici, là. C'est fermé, ouvert de 9h à 20h. Plus de journée de pluie, là. C'est chiant, on a plus de journée de pluie. Ah, petit coffre. Oh, fais-moi faire un perfect. Oh, presque. Putain, du coup, j'ai pas eu le coffre. Chien. J'ai grid. Ah, mais j'ai eu l'archigan à grande bouche. Il a besoin pour le community center. La vie n'est qu'un backseat. Encore ? Il veut que je l'aie le coffre là. Oh, un petit fossile. Il y a un ver de terre, il est où? Il est où le ver de terre? Pas juste me dire qu'il y a un ver de terre. Moi je suis aveugle sur les vers de terre, du coup là, je suis en train de chercher le ver de terre, je sais pas où il est. Il est où le con de ver de terre là? J'ai pas ma bêche, du coup je peux pas retourner la terre, je crois, je suis un con. Je vois pas de ver de terre moi. Devant chez Robin. Ah ouais, là. Mais le problème, c'est que je peux pas retourner la terre parce que j'ai pas pris ma bêche. Le con que je suis. Mais non, mais putain, mais il travaille jamais dans cette ville. Il travaille jamais, putain. C'est que des chômeurs, il est déjà 10h30, elle est toujours pas au magasin, quoi. Mais regarde-moi ça, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là, Robin? Si t'as besoin de matériaux ou de plans, ma boutique est l'endroit qu'il te faut. Bah non! T'y es jamais!
Bonjour. Oh putain. Tout ça pour venir faire ses courses chez Pierre. Mais non, mais elle aussi. En vrai, c'est abusé. C'est abusé comment ils bossent jamais, quoi. Ça dégoûte en vrai. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Moi, je vais me faire bouffer, moi. Ok. Bon app. Je crois que ce soir, ça va être un petit cas. Oh, le tarba. Ça fait N années, mec. Moi, le dernier, c'était fin octobre. Ils vont à la chigane à grande bouche, mais il m'en reste un. À toutes, peut-être. À toutes, ouais. Tard plus, comme on dit. Mais reste qui dans ce magasin là? Mais ça fait des réunions, tranquille. Voilà, midi 40, petite réunion là au coin du feu. Bonjour. Mon neveu Shane habite chez moi depuis quelques mois. Et puis ta ferme soutient l'économie locale. Bah super. Ah, ça fait du sport. C'est l'heure du yoga. Je suis très content de découvrir ça. Eh bien, demain, c'est la danse des fleurs. J'aime bien danser, mais mes parents m'obligent à porter cette robe blanche stupide. Ah, est-ce que je peux pas aller demander la danse des fleurs à ma copine? Ou alors, ce sera demain. Chez elle. Faudrait que je retourne chercher le ver de terre en vrai. Mais elle est pas là non plus. C'est inquiétant ça par contre. Je ne sais pas où elle est. Il y avait un bois là, paumé. Je sais pas. Non mais j'ai arrêté d'imiter du grandeur. Ah, t'es là. Salut, oh tu veux discuter avec moi? Bah oui. Ce paysage donne beaucoup d'inspiration, le terrain ressemble à une sculpture. Je ne fais pas de l'art pour gagner de l'argent, c'est juste ma passion. Le travail de la ferme semble être une profession très enrichissante. Tu peux créer des aliments délicieux pour tout le monde. Tu dois être occupé, désolé. Pas du tout. Mais pas du tout. Ah bah le trou il a disparu devant moi. Je suis pas occupé, je veux qu'on danse. Bon, ce serait trop beau que vous soyez rentré, hein. Oui, bah. Bien sûr. Hein. Ça m'aurait étonné. Franchement, ça m'aurait étonné que le magasin soit ouvert à 16h. Enfin, une journée bien productive, ça. Ça fait plaisir. Je m'entraîne pour le prochain Switch Rival. Non, pas du tout, je joue au jeu. Pour découvrir. Tiens donc. Ah, le forgeron vient de fermer là, non?
crois que le forgeron vient de fermer. Je serais bien allé le voir pour ma pioche, mais je crois que c'est demain, de toute façon. Quel enfer. Il me semble que c'est 16h, le forgeron. Lui dans le genre, oh il chôme pas hein, mais dans le genre je termine à l'heure, il y a du monde hein. Peut être sûr que c'est pas celui qui va faire des heures sup quoi. Je pense que les vers de terre ont dû disparaître depuis là. C'est une hérésie que de penser que le vers de terre est possiblement présent encore. Il est toujours en poste, c'est vrai que il est à son poste. On lui demande une chose, c'est d'être là, il est là. Mais bon. Il pouvait être là un peu plus souvent, ce serait pas mal aussi, quoi. Tu peux empêcher 3 sur 4 ici. L'esturgeon, je crois que c'est l'hiver. Ou l'été. Un Pélicanville, c'est pas très Startup Nation, non. C'est très branleur nation, quoi. Un ver de terre encore là. De la terre, c'est cool. Enfin, de l'argile, pardon. Magasin ouvert de 9h à 17h la plupart du temps. Ouais, ça fait quand même 2 jours que je me fais baiser, mais bon. Je le vis bien. Je crois que cette journée... Bah, c'était mardi. C'était le mardi Goobit. Hier, dans le jeu, in-game. Le mardi Goobit in-game. Cette journée n'a servi à rien. Et je pense qu'on va allègrement la terminer. Bah, parce que là, Robin, tu vas rentrer chez toi. Mais tu vas rentrer chez toi, tu vas pas travailler. Hein, vas-y, on va te suivre. On veut confirmation du fait que tu branles rien. Je veux confirmation. Et demain, c'est la fête des fleurs. Ouais, j'avoue qu'il y a un ver de terre, là. Oh ! Le livre perdu. Vous avez trouvé un livre perdu, la collection de la bibliothèque s'est agrandie. De la bibliothèque? Il y a une bibliothèque? Le musée, ils appellent ça la bibliothèque? Merci Poupi Poups pour les 9 mois. C'est bien. Je vais me coucher. Bon, je vais me coucher. La fête des fleurs, ça se passera bien mieux. Là, c'est n'importe quoi. Non, les vers de terre, ça va, c'est simple. C'est juste qu'il faut regarder ça en permanence et c'est chiant. Mais c'est important, en vrai. Tout ce que tu peux trouver dedans, c'est insane. Tu vois, genre là. Hop, outil préhistorique. Tu vas donner ça à Gunther, t'es content. Qu'est-ce que c'est que ça? Du quartz raffiné. Ah bon? On peut trouver ça là comme ça là. Bien le bonsoir à ceux qui arrivent, salut The Geek Chien. L'escargot on l'a pas, quel plaisir. Hop. Dans le musée, il y a une partie bibliothèque. Ça là. Hop. Non, pas spécialement ici en fait. Allez, bonne nuit, hein.
Mais saoulé. Niveau 4 d'agriculture, une compétence d'arrosage, une compétence de où ? On peut faire la clôture en fer, le bocal. Ah, le bocal, c'est bien, c'est pour faire les confitures, je crois. Hein. Je crois que c'est pas trop mal, le bocal. Hein. C'est la fête des fleurs ! La reine des sauces, mais c'est une rediffusion. Les esprits sont un peu perturbés. Très bien. On va pas avoir de chat, c'est cool. Le bocal, il faut 40 pierres pour faire du bocal. Et 8 charbons ! Ah, c'est chaud quand même. Ça coûte cher en charbon, quoi. Après, c'est si bien que... On arrose. Les haricots sont ready. Ça va faire un bundle, ça. Ah ouais, mais après, il va filer des haricots tout le... Ah ouais, c'est pas mal, ça, en fait. On a quoi à récupérer ? On n'a pas un panier ? La pomme de terre, tout ça, on a déjà donné, en fait. Je me rends compte. Vas-y, je prends tout. Ah, le corail, je sais pas si ça se donne, on va voir. Ah, mais pour cause de fête des fleurs, le village est fermé, non ? Ça va pas être ça, simplement. Vous l'avez vu. Vous avez trouvé un livre perdu à la bibliothèque, c'est agrandi. Insane. Faut vraiment les voir, les vers de terre, c'est trop bien. Ah non, la fête des fleurs, ça se passe à un autre endroit, c'est vrai. Je vais chercher ma pioche, déjà. Non, on peut aller au community center. Pour gagner du temps, on peut aller directement au community center. C'est jusqu'à 14h, je crois, la danse, un truc comme ça. Faudra pas traîner. Faudra aller directement à la danse. Poisson de mer. Bon, le corail, y a pas besoin. J'en avais un autre, normalement. J'ai pris la moule et tout. J'ai pas pris tout ça. Et bah, je crois y avoir pris. C'est pareil, j'ai pas repris de chou-fleur, quel con. J'avais un bundle complet, là. Je suis un peu con. Intérêt à pas être Roscoe, ouais. En fait, y a un, à la fin du jeu, vers beau, à partir de je sais plus combien d'années passées, tu peux te faire évaluer par Papy, celui qui est décédé, qui t'a légué sa ferme. Et en gros, Papy, Danse des Fleurs, commence dans la forêt. Ok. A commencé dans la forêt. En gros, Papy, il a un système de rating en mode si t'as fini tous les bundles, il te donne un certain nombre de points, machin et tout. Et par exemple, avoir un animal de compagnie avec full relation, ça donne un point aussi. La porte est verrouillée. Oh non, ils sont tous à la fête des fleurs, putain. Ah, les cons ! Les cons, les cons, les cons ! Alors, à la fête des fleurs. Thank you.
Ah mais il y a le magasin quand même. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chez eux, contente de te voir ici. Et j'ai eu la plus belle chemise, vous êtes dedans, ce genre d'événement n'arrive pas très souvent. Mais je vais te péter la gueule en fait. Demande à l'aide d'être votre partenaire de danse. Yes. Tu veux m'accompagner à la danse des fleurs? D'accord, j'adorerais ça. C'est bon. T'as nique ta mère, toi. C'est vraiment le meilleur jeu, hein. Comment qu'on danse? Willy, j'aurais dû apporter ma canne à pêche. Super. C'est donc des grenouilles, démarrent fort. Parler au maire, hein. C'était ça la dernière fois. Et devrions-nous commencer à nous aussi maintenant? Vas-y, on peut commencer. Yes! Pourquoi moi je suis devant? Elle m'a fait un clin d'œil là. Elle fait. Ah, elle vient d'en faire un clin d'œil. Je peux vous dire, je n'ai Dieu que pour elle. Hein. Clin d'œil. Clin d'œil. En vrai, c'est juste sa mèche de cheveux qui passe devant son œil, mais. C'était très amusant. Il est temps de rentrer à la maison maintenant. C'est le. C'est... Hein? J'espère au moins que ça a renforcé nos liens. Ah oui, 5. Dégage, toi. Bah ouais, grosse danse. C'était cool, moi je m'aimais. Vous aimez rien. Vivre à la ferme. Arbres fruitiers, ils prennent toute une saison pour pousser, alors planifiez bien en avance si la zone entourant directement votre nouvel arbre n'est pas bien dégagée, ça générera sa croissance. Une fois que votre arbre fruitier est arrivé à maturité, il produira des fruits délicieux pour vous tous les jours durant la bonne saison. Mieux vaut commencer à économiser. Ah, c'est vrai que ça faudra le faire aussi. Vous regardez l'oracle Wellwick, si vous voulez en connaître, mais mes couilles, les esprits sont très mécontents. Ah. Bon, on n'ira pas à la mine aujourd'hui, hein. Ah, mais du coup, je vais avoir une récolte mauvaise. J'en ai que 3 en or sur 5. Je suis vénère. Je suis ultra vénère. Ah, j'ai pas beaucoup de place. Je crois que la moule, on l'a déjà donnée, hein. La palourde, on l'a pas donnée, par contre. Bon, lui, il peut rester là. De toute façon, j'ai pas l'iridium rod. Sûr que la luck influence sur les récoltes, bah je sais pas, mais j'ai quand même mis beaucoup de fertilizer, j'ai eu que 3 panées en or, quoi. J'ai un peu vénère, quoi. T'as rêvé de la mine Lesgade. Qu'est-ce qui se passe? Qu'un gon crame. Ah mais t'as besoin d'en mettre que 5, c'est insane ça.
Je viens de compléter un bundle. Oh, 3 casiers à crabe, du coup. T'as besoin d'en mettre... Ouais, ça, c'est trop bien, ça. Nouveau bundle. T'as besoin d'en mettre que 5. En fait, c'était pas du tout stressant, ça. Parce que je me rappelle, moi, je cherchais à tous les avoir. Ah oui, mais je cherchais à tous les avoir parce qu'au deuxième, qui est quartz, cristal de terre, l'arme gelée, quartz de feu. Il nous manque le quartz de feu, évidemment. Là, je comprends mieux le bundle. Tout le reste, on a. 99 flammes, 10 ailes de chauve-souris, essence solaire, essence du vide. Un lingot de cuivre, un lingot de fer, un lingot d'or. En vrai, celui-là, il est assez facile. Facilement tout faire, ici. On a pécho la danse des fleurs. On a bien pécho vénère. Vins engrais de croissance rapide. Okay. Ouah, ça c'est chaud. Mais t'as pareil, t'en as que 6 à faire. Paquet animal, c'est pareil, t'en as que 6 à faire. Récolte de qualité. Ah, faut les donner les 5 d'un coup. Oh, m'emmerder. M'emmerder, monsieur. M'emmerder. Ça va être l'été après, là. L'été, il faudra tomate, piment, myrtille, melon. Myrtille. Tomate. Ok. Ah, celui-là, c'est l'argent, je crois. Je sais plus. Ils emmènent les bundles, hein. Paquet du chef. Ah, ça, c'est chiant. La cuisine, c'est chiant. Ouais, ça, c'est chiant aussi. Ça, c'est très chiant. Ça, c'est très, très chiant. La pâte de lapin. Ça, ça va. Quoique les pommes, ça peut être relou. Ça, c'est chiant. Ah, là, il y a le chevesne, ici. J'aurais dû garder un chevesne. Ah, bah, attends. J'avais pas une géode gelée. Non, je l'ai ouverte. Ok. Saison des rapalenios. Du coup, j'ai beaucoup trop de merde sur moi. Il y a une quête. Qui veut quoi? Recherche un tueur de slime pour éliminer 4 slimes de givre dans les profondeurs glaciales de la mine. Vas-y. Combien de temps pour la faire? 2 jours. Ainola. On attend 9h, on va aller récupérer notre notre pioche en cuivre. Ce serait pas mal de s'acheter la hache en argent, quoi. Mais on n'a pas les thunes pour. Après, si on vend des trucs, on aura sûrement les thunes pour. C'est vrai que je devrais ramasser toutes les fleurs pour améliorer ma cueillette. Nice! Pioche de cuivre. J'ai reçu pioche de cuivre. Il a une boutique, lui? Ah ouais, il vend des minerais et tout. L'âge d'acier, c'est 5000, hein. Pouf! Oh, trop bien. La dolomite! Avec les bouquins que j'ai donnés à la bibliothèque, là, t'as bien une récompense. Ah ouais! Il manque un livre ici. C'est un livre écrit par Marnie. Les animaux sont très sensibles, ils aiment être caressés tous les jours et préfèrent manger de l'herbe fraîche à l'extérieur plutôt que du foin sec. Cependant, ils n'aiment pas être dehors sous la pluie. Les animaux heureux produisent des produits de qualité supérieure. C'est un livre écrit par... Les animaux sont très sensibles. Ah ouais. C'est bizarre leur système. Faisons un don au musée. Nouvelle récompense. Le musée, c'est cool, hein. On va aller au shop.
Mais j'ai surtout 5000 trucs à acheter là en vrai. Pouette, 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 pouette. Bon, au moins tout le monde a l'air d'être à son poste. Non. Oui. Les engrais de croissance rapide, je les vendrais bien. Moi. Je pense pas m'en servir. C'était peut-être une connerie. C'était même sûrement une connerie. C'est pas grave. En fait, les engrais de croissance rapide, vu que de toute façon on va faire du melon. Ouais, dis-moi que t'es ouvert. Oui! Salut! Construire. La grange, le puits, le silo. Ah, il faut 10 argiles. Permet de couper, de stocker de l'herbe pour l'alimentation des animaux. Le moulin permet de faire de la farine à partir de blé et de sucre. Le cabanon. L'intérieur peut être décoré. L'étang à poissons. La cabane. Une maison pour les amis. L'étable permet de garder et de monter un cheval, cheval inclus. Mais c'est insane ça. On peut avoir un cheval et se balader à cheval. Un clapier pour slime. Peut contenir jusqu'à 20 slimes. Remplissez les abreuvoirs d'eau et les slimes créeront des boules de slime. Un grand poulailler. Le bac d'expédition. Ah non, mais on veut un silo, mais il me manque l'argile, là. Faut que j'aille chercher l'argile dans mon coffre, parce que je savais pas. Même endroit que tout à l'heure, il y a un ver de terre. Côté de la rivière. Ouais, bien vu. Bien vu. Un bon point. Ah bah, de l'argile, génial. Coucou toutou, c'est bientôt l'heure de la balade, tu le sais, TMTC. Oh non, je crois que mon père va préparer le dîner ce soir. Hein, world first problème, hein. Ça va mon chien? Toi, tu viens me voir pour qu'on aille faire une balade. Dans 30 minutes, j'arrête. Tu vois ce que c'est 30 minutes, François? Coucou les toutous. T'es un beau toutou là, hein. Il est beau. Non mais c'est vrai que dans 30 minutes j'arrête, après je dois me préparer. Ah oui non, t'es vénère. Backseat autorisé sur les lambris quoi. Il est où mon argile là? Nice. Ah, j'ai failli être au chômage là. Hier, il nous a bien fait flipper, Roscoe, en lâchant un petit... Acheter des animaux. Des poulets. Acheter des poulets. Choisissez un poulailler pour poulet marron. Donnez un nom à votre nouvel animal. C'est Xoubi. Génial, j'envoie tout de suite la petite Xoubi dans sa nouvelle maison. Poulet blanc. C'est ce qu'il gère. J'aurai tout de suite la petite Skija dans sa nouvelle maison. Génial, j'aurai tout de suite la petite Bastia dans sa nouvelle maison. Ah bah j'en prends combien comme ça? Je peux en prendre N non plus. Hein. Celui-là, c'est The Lord.
Tu vois tout de suite la petite The Lord dans sa nouvelle maison. N'oublie pas leur nourriture. Bah ouais, mais le problème de leur nourriture, c'est que... Je sais pas. Prendre de la paille, on va voir si ça fait le taf avec eux, je pense pas. On va aller construire le silo, de toute façon. Je préfère manger l'herbe qu'il y a dehors, par contre. Hein. Silo requis. Je sais pas si ça mange ça, les petits poulets, là. Déjà, faut que j'aille leur dire bonjour. Ils peuvent pas manger les récoltes, non. Dans tout cas, faut que je leur ouvre la porte pour qu'ils sortent. Donc, hey, mon toutou, c'est toi? C'est toi le poulet? On va aller faire pipi et tout, t'inquiète. Donc, t'as l'air de juste vouloir de l'attention, en vrai. Bah oui, t'as un petit chien qui veut de l'attention. Tu moques? Viens là. Oui. Regardez-moi ce gros pépère. Ah. Oui. Oui. La grosse peluche. La grosse peluche. Cette grosse peluche vivante. Il est tout fluffy. Il est tout fluffy. Tout sale. Un peu sale aussi. Hein. Un peu les dreadlocks et tout là. On va faire pipi après. Oui. À manger KFC. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu as des papouilles en vrai. Hein. Il est mignon quand il bouffe pas les cartes bleues. Hein. C'est validé. Je commence à travailler dès demain matin sur le silo. Ah, j'ai des monstres à buter aussi, c'est vrai. Quatre slimes de glace. Allô, les dégâts? Au plaisir. Hein. T'as raté la rose coca, moi. Faire. Putain, j'ai trop de la chatte sur la mine là. The fuck? Cette mine de la chance. Fruit de cristal. Parler à Lewis. Très bien.
Mais mon inventaire est plein là. Un fruit délicat qui pousse dans la neige, le fruit de cristal. Ah oui, mais je suis venu ici avec si peu de place aussi. L'épée de la forêt. Plus 2 vitesse, plus 1 défense, 8 à 18 de dégâts. Ce qui est cool, c'est qu'elle donne de la vitesse. En vrai, vas-y. On vendra celle-là. On va passer à celle-ci. Même si elle fait moins de dégâts, vu qu'elle donne de la vitesse, c'est cool. Les bottes de la toundra. Qu'est-ce qu'on va jeter? Le slime, faut pas qu'on le jette. On va jeter notre bait, là. Je suis pas venu avec assez de place sur moi. Non mais là, je peux me permettre de pas partir sans ça. Qu'est-ce qu'on va devoir jeter là, les bottes en cuir? Vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. Je suis sûr que c'est de l'argent perdu. Mais... je préfère ces trucs-là. Comment ça, j'ai pas de place? On dirait qu'il y a un truc, mais en fait non. Il y avait un fantôme. Ah merde, c'est un étage à monstres. Le fantôme, il peut loot le boss fish. Faut que je me mine de finir l'étage 50 là. Hein. Enfin 55, pardon. Ouais, il a looté de l'or et tout. Qu'est-ce qu'on va acheter? La larme gelée, on va pas acheter ça quand même. On va acheter le bois dur, on va dire qu'on s'en branle. Et on va acheter le tableau, on va pas le jeter, c'est con. Non mais là il n'y a que des trucs bien en fait. Je vais quand même pas acheter ma paille, même si la paille ça coûte rien, ça fait chier de jeter de la paille quoi. Pierre décorative vert pâle. Je sais pas si j'ai déjà donné jade au musée. Manger un truc. Ouais mais je vais pas manger mes 7 snacks, c'est con. Même le fruit de cristal, j'ai l'impression qu'il faut s'en servir pour faire quelque chose, mais. Sinon au pire je mange le fruit de cristal. Ouais, mais... je crois que de mémoire, le fruit de cristal, fallait le garder, donc... Alors, on se dépêche, on se dépêche. C'est chiant, les étages de monstres. Ok, c'est le 54, j'ai juste à trouver la sortie et c'est bon. Si le monstre pouvait looter la sortie, ce serait parfait. Quel chien-lit! Ah, les monstres, c'est vraiment relou, putain.
Faut se manier, monsieur, là. Faut trouver la sortie, hein. Allô, la sortie, au secours. Vite. Oh, c'est mort, putain, l'étage le plus relou du monde. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. On a perdu 5 étages. Chier, putain. Et encore, hein. On va peut-être mourir quand même. Hein. En vrai. En vrai, on va même sûrement quand même mourir. Passant par là, ça peut le faire. C'est 2h du mat, ouais. Cassons-nous. Dépasser 2 heures, c'est pas ouf. Extraction minière, une compétence de pioche, nouvelle recette de cuisine, friandise du mineur. Niveau 2, combat, nouvelle recette de fabrication, élixir de vie. En fait, le problème, c'est que si tu... si tu dépasses 2 heures, tu perds des thunes et des objets. Humeur normale aujourd'hui. T'as mais construit vite le silo, toi, hein. Parce que là, oui, ça bouffe pas de... Ça bouffe rien, là. Ah, mais on peut lui donner de l'eau, au chat. Ça marche pas avec eux, aussi? Ils ont de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire, là? Faut qu'on parle à Lewis. C'est vrai qu'on a oublié de parler à Lewis, du coup, hein. On a oublié de parler à Lewis alors qu'on a validé sa quête. On a du bois, on a des pierres et tout. Tout ça, on peut remettre ça là-dedans. Minerai de fer. J'ai pas de minerai de cuivre. J'ai pas miné de cuivre. No joke, j'ai 0 cuivre. J'ai 3 minerais d'or, c'est peu. On garde le charbon, tout ça on garde. Ouais, il faut que je me débarrasse de ces merdes là. Tableau là. Hop. Ça, faut que je les garde. Faut que je les stocke. Ça prend de la place pour rien. Les salades, c'est pour la semaine prochaine. La paille, on peut la garder. Ok. Ça fait un mois qu'il meurt de soif, le minou. Bah non, mais il en trouve de l'eau. Faites pas genre. Faites pas genre qu'il sait pas se débrouiller, le minou. Pas beaucoup de thunes, hein. On n'a pas beaucoup de thunes, on peut pas se faire la hache en argent. Après, là, il y a une quête. J'ai besoin de anguilles pour alimenter ma dernière invention, c'est la seule chose qui fonctionnera. Non, mais l'anguille, on peut pas l'avoir. S'il pleut pas, on n'aura jamais l'anguille. C'est mort. L'anguille, c'est dead. Ça sent la journée où on n'a rien à foutre à part pêcher, je crois. C'est chiant, on n'a pas eu de jour de pluie, en fait. En genre, si on avait eu un jour de pluie, je vous pêchais le légendaire, 100%. C'est dommage. Ça, je suis pas du tout en train de regarder les vers de terre, là. Aïe, 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 je suis sûr qu'on en a loupé tellement. Régure rien, hein. Ouvert de 14h à 22h, mais c'est tellement de la merde, ça. Tellement nul. L'anguille, il faudrait qu'il pleuve. Padap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 
De 14h à 22h. On va faire les mines, du coup. Hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de prévu? Rien, on va dire. On est vendredi. On a donné les cadeaux. On pourrait XP la pêche, mais on n'a pas spécialement d'intérêt à le faire. Faut miner, hein. On n'avait rien de prévu. Hein. Oh, le fantôme, c'est vraiment le pire truc, quoi. Pas croisé sur Diablo 3. Je joue pas du tout à Diablo 3 depuis quoi, au moins 2 ans, je pense. Là, tout à l'heure, j'avais une échelle en plein milieu. Là, je l'ai pas, quoi. Jeu de mort. Après, tout à l'heure, j'avais eu un étage full ennemi. J'avais fait une croisée sur Diablo 3, c'était genre mon premier perso, quoi. C'était il y a longtemps. Les débilus. Bah, de toute façon, à toutes les saisons, maintenant, ils rajoutent des trucs débiles. Pour avoir de l'intérêt à refaire les saisons, quoi. C'est pas nouveau. Du WAB. Oh, pas de chat à la mine. Tellement pas de chat. Oh, elle était... En vrai, ça, elle était pas à l'entrée, c'est juste que... C'est l'impression que ça donne. Ça, par contre, c'est full chat. Du coup, on va pouvoir tranquillement miner tout le fer qu'il y a là. On sait que c'est par là. Plaisir. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Une aigle marine. On a déjà eu, je crois, non? Je vais regarder s'il n'y a pas plus de fer. Du fer facile. Non, ça avait vraiment l'air d'être là. Ça avait l'air d'être ici, le fer. Là, il y a un fer, mais il est tout seul. Le casse, tranquille. Alors, c'est parti. Va falloir tarder à bouffer. Ce serait bien s'il me lâchait une petite échelle là. Il y a l'air de rien avoir à cet étage. J'aurais kiffé l'échelle. Un étage de mort. Ah, Diablo 3, c'est vraiment cool, hein, mais quand t'as déjà fait au moins 6 saisons, j'ai plus trop d'intérêt à y jouer, tu vois. C'est parti pour bouffer les 7 casse-croûtes, il est que 14h40, donc on va en profiter. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète. C'est que j'ai fait plein d'achats, c'est cool. Mais quand je vais arriver en été... Ah ouais, mais ça, c'est, il faut que je fasse une journée full pêche et tout, parce que quand je vais arriver en été, je vais pas pouvoir investir sur la blinde de... En fait, j'aimerais investir sur la blinde de melon, en fait. Alors certes, j'en ai déjà eu gratos, mais si on pouvait en acheter genre 5 fois plus, ce serait cool, quoi. Parce que là, on arrive en été dans 2 jours, hein.
quel enfer. Ouais, Diablo, je sais pas. En fait, je pense Diablo 3, j'ai autant d'heures. Je dois avoir autant d'heures de Diablo 3 que de, je sais pas, Borderlands 2. Tu vois. C'est immense, quoi. En deux jours, à partir de quand? Bah, les réunions de la table ronde, de toute façon, c'est deux fois par mois. Donc si le type dit après-demain... Selon quand il le dit, ça décale. Allez, un peu de chat, là. Putain, j'ai vraiment zéro chat. Parfait. Quoi? Mais j'ai trop de trucs sur moi, tu te fous de ma gueule? Mais jette-moi ce bois, là. Jette-moi ce wab. Jette-moi ces pierres, là. Je viens de baiser toute la range de mes outres. Oh non. J'ai tout placé à l'envers, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Inventaire plein. Mais plein de quoi? Plein de rien? Géode Omni. Oula. Ça doit être cassé, ça. Nice. Tout se faire. Je l'ai tellement bien eu là. Il est trop chiant lui. Allez, 18h40. On veut trouver. Mais d'un côté, c'est le pire étage ça. C'est tellement mal agencé. C'est tellement grand. Cassez-vous! C'est vraiment l'enfer cette mine là. Oh là, il y a du diamant là. Petit diamos. Le diamos, on l'échange contre quoi? Déjà, faut que je mange. Tu arrêtes à 20h, c'est ça? Faudrait que j'arrête avant, mais... Enfin, faudrait que j'arrête un peu après. Enfin, faut que j'arrête au niveau 60, quoi. Là, clairement, je me barre pas avant d'avoir le 60, ce serait dommage. Mais, attends, qu'est-ce que je jette là? Ah, c'est les snacks que j'aurais dû bouffer. Je jette la pierre. Bon, j'ai le diamant. Allez, trouve. Trouve un dieu. Ça se trouve, worst case scenario, c'est scripté, il y a une échelle au bout. Il faut faire tout le tour. C'est bon. Au bout, il y a quoi? Il y a plein de caisses. Il y avait une échelle ici direct. J'ai envie d'aller voir les caisses.
problème, c'est que le magasin a fermé à 22h. Ah ouais, mais je suis obligé d'aller voir les caisses. Il peut y avoir tellement de loot là-dedans. Bon bah tant pis pour le 22h. Mais tant pis pour la quête, du coup je m'assois sur la quête. À quoi que ça peut le faire, attendez. Si on est insane. Ça se trouve c'est la même épée en mieux, mais je peux pas savoir. Pour le savoir, il faudrait que je jette un truc. C'est la même. Non, elle fait 8 à 18, celle-là. Putain, c'est exactement la même. La dague en cristal. 50 puissance critique. Baiser. Me suis baisé, ça ferme à 22h. La guilde. C'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à pas grand chose pour aller valider une quête qui du coup sera perdue un jour. En plus, non, c'était. Ah non, c'était Lewis. Oh, donc c'était pas là. Lewis, c'est le maire. Baiser. Bon, au moins, on atteint la mine 60, quoi. Go au bar, mais le bar est fermé là. Le bar est 100% fermé. Ouais, ça se tente, hein, mais. Oh! J'ai eu, alors comme ça, tu nous as aidé. Avec notre problème de slime, merci! J'espère que t'as pas eu trop de problèmes. Je sais que c'est parfois très difficile de nettoyer de la substance visqueuse de slime sur les vêtements. J'ai abîmé quelques beaux pantalons en essayant d'attraper ces créatures d'ortilleurs. Je me souviens de papa qui s'est mis en colère après que j'ai reçu de la bave de slime rouge sang sur mon nouveau pantalon robe. Ah bref, profite bien de ta récompense. Traduit avec le Zgegos. Faudrait que je fasse des thunes. Ok, tout le reste on peut garder. On a quand même 9 lingots de fer. Hein. Ça déconne, 0. En vrai, eux ne servent plus à rien. Les paniers à crabes. Vu qu'on a fait le bundle, ça sert plus à rien. Merci Brazy pour les 20 ans de Twitch Prime, bientôt 2 ans. Merci beaucoup. Et bisous. On va les vendre hein, du coup, tranquille. Hein. Alors s'il pouvait pleuvoir demain, ce serait insane. Pouvait pleuvoir au jour 27, ce serait parfait. Oh bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Les esprits sont de bonne humeur. C'est beau. Salut Shiyu, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Il y a quelques jours, j'ai fait une découverte capitale dans mes recherches sur l'environnement local. Je vais t'épargner tous les détails techniques et les droits au but. Tu connais cette grotte vide vers l'ouest? Eh bien, je connais un moyen de la transformer en quelque chose d'utile pour nous deux. Je vais utiliser cette grotte pour attirer des espèces locales. De cette façon, je pourrais les observer dans un environnement plus contrôlé et tu pourrais récolter tous les produits qu'elles produiront. Je peux soit faire en sorte que cette grotte fasse pousser les champignons ou attirer des chauves-souris. Les chauves-souris produisent parfois des fruits que tu pourras récolter. Les chauves-souris! Eh bien, je vais aller tout préparer pour toi, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Merci de me laisser faire ça. Putain, ce call jour pluie, quoi. Magnifique.
On va tellement aller tenter le légendaire. Hop. On a le silo, hein. Le silo est vide. Construisez un silo et coupez l'herbe avec votre faux pour le remplir. On va déjà remplir le silo. Qu'est-ce qu'il y a, toutou? C'est les voisins. Merci Nico 75. Ça fait de la paille dans le silo, ça. Ah oui. Ah oui, je peux prendre de la paille dedans. Ah, c'est stylé, ça, comme mécanique. Trop stylé comme mécanique. On va l'ouvrir des géodes là. Péou, péou. On a que ça en géode? Je crois que j'en avais d'autres. J'essaie d'aller lui donner des trucs au mec. J'essaie d'aller lui donner un peu tout ce que j'ai là. Il me reste du minerai de fer. Oh, putain, il me reste N. Allez, let's go. Petit haricot vert aussi au passage. Ou un haricot vert en or. On va le vendre. Hop. À terre 05. Ouais, je finis cette journée et on arrête pour ce soir. Et on me retrouvera à 8h du matin pour le Désherbus de l'espoir. En forme, pleine forme. Je serai en pleine forme. Vous allez voir, ça va être insane, je vais être en pleine forme. Ça a l'air nul, j'aimerais qu'un aventurier entre dans les mines pour tuer une de ces créatures. Y a pas de récompense. C'est cru où? Il fout. Une heure, c'est tard. C'est pas un lège, mais c'est un poisson cool. En fait, le lèche, c'est mort parce que j'ai pas l'iridium rod. Le lèche, c'est mort, j'ai pas l'iridium rod là. Quand je suis pas dans la zone, les poissons baissent trop vite jusque-là. On va pas faire le lèche. On va essayer juste de capturer les poissons de pluie qu'on doit capturer anyway. Genre ça, j'en avais besoin du poisson chat, donc c'est cool. Mais pour le lèche, c'est sûr que c'est mort. Vu que cette canne à pêche là, on peut pas mettre dessus le bobber là. L'appât qui permet, quand le poisson est pas dans la zone, que sa barre baisse moins vite. Oui, 9h. On va ouvrir une omnigéode. J'espère qu'il y a des trucs stylés dedans. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de place sur moi. Vas-y. De la pierre. Un truc que j'ai pas pour le musée. Du marbre. N'ai pas assez de place dans votre inventaire. Tu me casses les couilles, Jean-Mi. Ok, un truc que j'ai pas non plus. Vas-y, on va filer plein de trucs au musée, là. Pas donner un diamant. Ça, on l'avait déjà, la pyrite.
T'es sérieux que dans une omnigéode, j'ai eu de l'argile et c'est tout? Je suis un peu déçu là quand même. Je suis un peu déçu là. Je suis un tout petit peu déçu. Genre un bout d'argile dans une omnigéode. J'ai un peu l'impression de m'être fait arnaquer quand même. Enfin, léger quoi. Ah mais lui, je peux tellement rien lui vendre. Hein. Putain. Quel gros brasseur. Il prend rien. Ouais. Je me suis fait honnête par le cycle des géodes. Ah, parce qu'il y a des géodes qui donnent des bons trucs et d'autres non. Et je... Ok. Je me suis fait honnête. On a 10 francs, tiens. Je sais plus où c'est. C'est là. Merde, j'aurais dû ramener ces trucs-là, j'ai. Je pars ramener le reste, mais là, c'est pareil. À part le quartz de feu, normalement, j'ai tout. Ok. Bon, on va vendre des trucs. Hein. Et on ira faire le tour de la pêche. Et surtout, on va faire pêcher comme un ouf, puisqu'il faudrait que... Il faudrait qu'au premier jour d'été, on ait maximum de thunes. Ce serait beau. Pilu, pilulululu. Donc quoi, du coup, ça avance bien. Ça avance tranquille, ouais. Ça avance tranquille, tranquille. On a bientôt fini le printemps, là. Ça a été pas trop mal. On a fait beaucoup de choses. Et là, il faudrait que je profite de cette journée pour pêcher un max. Ah, mais j'ai oublié de mettre mon poisson, je suis le pire. Qu'est-ce qu'on vendrait bien, là? L'arme gelée, on va tester. On va tester de vendre nos minéraux, là. Voir un peu à combien ça part. Sûrement une connerie, mais c'est pas grave. On va laisser notre charbon... Non. Attends. Là, on va laisser notre charbon. On va laisser notre paille. On va laisser nos lingots de fer. Le poisson-chat, on le garde avec nous puisqu'il faudrait aller le filer. Ça, on laisse. Hop. Perfect. C'est parti pour pêcher vénère. La romance, c'est avec Léa. On s'est occupé des poulets aujourd'hui. Ouais, on a commencé par ça. Bon, on a eu le poisson lune. Le truc, c'est qu'on doit pêcher la île. Je crois que c'est que à certains horaires et c'est à la plage. Mais je crois que c'est l'après-midi. On doit pêcher l'anguille. Donc la quête de l'anguille était faisable, by the way. T'es marié? Non, pas encore. Allez, on se mine le cul. Si on peut pêcher du poisson de pluie un peu, c'est cool. Je sais pas s'il y a des poissons intéressants au niveau de la pluie ici. Ça a pas l'air. Hein. Ça a l'air d'être encore une carpe à la con, ça. Ah, le chevenne, j'en avais besoin, c'est vrai. Salut, Aoneko. Bloup. Déjà, le barbotte. On va aller à la mer direct en vrai.
Il a l'air de rien avoir de particulier ici. Ça, c'est un Jean-Pierre Chevènement. Ah, si, il y a celui-là, mais on l'avait déjà. Vas-y, on va partir à la plage. En fait, il y a l'anguille. L'anguille, je m'en rappelle, il y a l'anguille. Le poisson lune qu'on a eu aussi. Enfin, poisson chat, je sais plus lequel. Mais j'ai peur que l'anguille, ce soit le matin, en fait. Tu dois y aller très tôt le matin pour pêcher l'anguille, je crois. On va quand même tester, mais je crois que c'est mort. Je crois qu'il fallait y aller le matin. Les points pour la team chien, les pires. Allez, fais-moi plaisir, file-moi l'anguille. Ouais, bah ça c'est pas l'anguille, hein. C'est mort, je crois que c'est pas le bon horaire. Je me suis baisé tout seul en fait. Oh, t'es sérieux? Petite anguille là. Ah, non. Non, c'est de la merde. Ça, c'est une belle merde, ça. Quoi que ça vaut cher, ça. On l'a vu que ça valait cher. Si seulement ça pouvait être comme tout à l'heure, là, avec le trou dans l'eau. Là. Je pêche que de la merde. Allô, l'appât ? Non ! C'est dégueulasse, monsieur. C'est dégueulasse. Oh, les appâts qui fonctionnent pas, là. Ça mord. C'est pas une anguille, c'est de la merde. Ah, je sens que l'anguille, c'était pas là. C'était pas maintenant. Putain, je suis tellement pressé. Les vers de terre, on les a vus. C'est de la merde, ça aussi. Que de la bite! J'ai jamais autant pêché d'algues que le jour où je dois faire des thunes avec la pêche. Quoi. Non mais l'anguille, je crois que c'est double contrainte. C'est contrainte de pluie et contrainte de temps, d'horaire. Je crois que c'est les deux en vrai. C'est pas une anguille. De toute façon, quand ce sera une anguille, on le verra direct. Pêche que de la merde. Que de la merde. Oh, ça, c'est une anguille, ça. Quoique. Elle bouge pas assez pour que ce soit une anguille. Mais c'en est une quand même. C'est beau. Bon. Du coup, on va pouvoir pêcher dans le lac. Parce que si on pêche plein de poissons lune, on se met bien niveau prix. GG l'anguille. Bah là on pêche jusqu'à 2h du mat, j'en ai rien à foutre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Léa là, depuis le bal des fleurs. Hein. À côté on lui avait offert ses deux cadeaux au début de la semaine, donc... Ouais, le ver de terre à la plage, merde, j'avoue. Tant pis. Très bien, super poisson ça. Super poisson avec le coffre, ça va faire de l'XP en plus, c'est cool. Des trolls de ouf. Tu fais un peu troller là.
Elle traîne pas avec le blondinet, on a dansé ensemble. Arrêtez de me faire peur, là. Allô, toutou. Plus beau des chiens. Putain, j'aurais pu le pêcher en parfait, ce small mouse, là. Alors, redonne-moi des poissons lune, là. Poisson chat, poisson machin, là. Parfait, ça. Ah oui, avec un coffre. Parfait, avec un coffre. T'as, il me met la feinte, là. Cristal de terre, c'est cool. Il coûte si cher. Il rapporte tellement d'argent, les poissons-chats, machin. Là. Oh, ça, c'est un vieux small mouse nul. Ah, c'est une dorade. Bah parfait. Hop. Et pêche ta vie là. Bah, c'est la fête de la dorade d'un coup là. De pêcher toutes les dorades du lac, quoi. Small mouse. Ah non, mais vas-y, dorade. Ah, mais vas-y, full dorade. Les dorades, ça rapporte un max, je crois. Hein. C'est du gros poisson, ça. Hein. C'est du gros poissonnet, ça. Ah, c'est l'heure. Il reste plus que des dorades. Oh, le halos. Nous le fallait celui-là aussi, je crois. Il vit en mer, mais retourne dans les rivières pour se reproduire. Je crois qu'il nous le faut au community center. J'ai pas pris le coffre, je sais pas pourquoi. Faudrait que j'aille tant de passer au community center aujourd'hui quand même. Histoire de trier ceux que je dois donner et ceux que je peux vendre. Quoique, ça peut être fait la journée d'après aussi. Donc en vrai, non, là, cette journée-là, je fous le... Je fous le pêche. Je garde tout sur moi. Et le lendemain, c'est community center, into vente, into repêche et préparation pour l'été. Sauf qu'évidemment, nous allons partir avec le cliffhanger de la journée 28. Tiens, j'espère juste qu'on va se passer au moins un ou deux niveaux là. On doit être proche du level 8 de pêcheur en vrai. Ce qui est con, c'est qu'on a plus de poisson-chat. Poisson-chat, c'est pendant un certain horaire. C'est lui qui a la contrainte horaire, je crois. On a eu le temps d'empêcher 3-4, quoi. Hé, tonton ! Les cabas, ils sont trop lourds ! Ah bah non, il est encore là. C'est beau. Oh, please ! ...22h20. Tu as dit qui en waifu ? Léa. Lee. Petite dorade parfaite.
Faut avoir mangé quelques berries. Les berries, elles sont en train de tomber comme neige au soleil. En train de fondre comme neige au soleil, là. Qu'il faut manger juste après. Crunch, crunch, crunch. Oh le con! Mal placé. Un petit dernier poisson chat, ça pourrait être cool. Hein. Putain, j'espère que je pêche de la qualité. C'est dommage, ils auraient dû mettre ça. La qualité que tu pêches directement en bas à gauche. Parce que quand ça part dans ton inventaire, du coup, tu sais pas ce que t'es en train de pêcher exactement. Tu sais le poisson, mais tu sais pas si tu pêches des poissons en or, des poissons en iridium. Putain, il est resté au bar jusqu'à la fermeture, là. Poivreau. Il se fait tard. Si j'ai envie de pêcher toute la nuit, je pêche toute la nuit, je te le dis tout de suite. Hein. Quatre bois, t'es sérieux? On remet le bois dans l'eau. En vrai, ça devrait être le dernier, celui-là. Dernier pêché. Je pense qu'on peut en grid encore. Ouais, je pense que là, je me nourris pas, je pêche celui-là et c'est bon. On pourrait en grid plus, parce que là, en fait, le temps ne défile pas. Mais bon. On va voir cette pêche. 3 iridium. 4 poissons chats, mais qualité normale. Ok, c'est pas dingue. Quand même 3 iridium, quoi. Par contre, vite, là. Vite, 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 rentre. Il est déjà 1h du matin. Secours. Ben, il y avait moyen de grid un poisson, quoi. Ah, merde. Et là, c'est le dodo. Ah, j'ai pas fait les poules. Si, j'avais commencé la journée par ça, par le silo et tout. Oui, oui, si, j'avais tout fait. Si, faut que je me fasse confiance et que je me dise que de toute façon, je commence toujours la journée par faire les bonnes choses, quoi. Extraction minière, quand même, 825 gold, juste grâce à ça. Dernier jour du printemps, le jour 28. On va rester sur ce cliffhanger. Ah, mais c'est encore un jour de pluie! Oh mon dieu, la thune. La thune qu'on va faire. Faire le désherbus la nuit, ça, ce soir, à partir d'une heure du matin. Insane! Insane, ce dernier jour qui est aussi un jour de pluie. Oh, on va se faire des couilles en or. Se faire des couilles en or, parce que là, il faudra vendre tout ça. Ça va être insane. Ça va être insane. On en a combien d'heures de jeu? 8 heures de jeu. 3 jours. Alors qu'on stream d'autres trucs et tout. Au revoir YouTube. J'espère que tu apprécies les VOD Stardew Valley.